Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue de retour parmi nous. J'espère que vous allez bien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle est toute seule, où sont les autres? Non, vous inquiétez pas. Les autres sont en coulisses, mais je voulais vous faire un petit coucou un peu formel parce qu'on ne s'est pas revus pendant 2 mois pendant les vacances. Et donc voilà, je voulais vous faire un mini coucou, une mini intro pour vous dire bonjour, bonsoir et salut à tous et toutes les spectatrices. Coucou Paléna, salut Buck, salut Locus Solus, salut qui est-ce qui est encore avec nous que j'ai vu se connecter? Bérec, Bérec, coucou Paléna, j'ai déjà dit. Anerzat qui est là aussi pour nous faire le coucou, j'espère que tu vas bien. Et puis bien sûr, les plus beaux, les plus magnifiques et les plus merveilleux joueuses que j'ai la chance d'avoir avec moi. Je vous les fais apparaître et les voici. Salut! Coucou. Bonjour. Hola. Bonjour. Sont tous timides, ça fait longtemps. Salut. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Ah, vous avez hâte de la suite. Je me suis bien niqué les doigts avec cette saloperie de collection Pins. Eh bien, j'espère que vous êtes contents et contentes de nous retrouver. Comme de coutume, depuis que nous avons commencé cette campagne, nous avons un petit message politique à faire passer au début de l'épisode. Allez manifester Décidément. demain. Allez manifester demain, le 7 septembre. Parce Non, que. je m'inscris en faux. Le clan Tremaire est tout à fait satisfait de la situation. Ah tiens, ah bon. Oui, c'est bien, c'est un peu rond, ça englobe un peu, c'est non, c'est bien. Ne changez rien. Voilà. Oui, c'est Merci. ça. Mais merci. Non, Allez. allez-y demain. Vous savez que bah c'est marrant, on a commencé. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est juste une coïncidence. Hein. Ne vous méprisez pas sur l'emploi des mots que j'utilise, ça ne me fait absolument pas rire. Mais on a commencé la campagne Anarche au moment de la dissolution. C'est vraiment une blague. Et on vous retrouve au moment où notre premier ministre est un vieux droitard un peu sénile qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Entre autres. Entre autres saloperies. Entre autres saloperies. Libérer Paul Watson aussi, comme dit Booba. Exact. En fait, arrêtons de pénaliser les gens qui sont les lanceurs d'alerte et commençons à nous occuper des vrais coupables. Ce serait pas mal. Il Donc a voilà. beaucoup valorisé la méritocratie et le fait qu'il fallait quand même se remettre au travail, à l'effort, hein, bande de feignasses. Et là, je Ah pense oui, à toi, voilà. toi, 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 toi et toi. Et toi? Et toi. Voilà, donc si demain vous n'avez pas spécialement grand-chose à faire et que vous êtes en week-end, eh bien on serait très content de pouvoir compter sur vous. Voilà. Et si vous ne pouvez pas, ou que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas vous faire casser la figure et que vous avez peur des flics, ça s'entend aussi, vu l'ambiance. Mais voilà, en tout cas, comme d'hab, on commence décidément cette campagne dans une bonne ambiance politique. C'est cool. C'est bien, c'est motivant, quoi. Ah ben bah Ça voilà. donne des idées. Ah, il est bien son petit sa petite chimo, t'as pas les mains, regardez. Tchou-tchou. Très bien. 13-12. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? là là. Bon, en tout cas, les amis, eux et les amis, on va commencer. Donc, on s'est jeté dans la partie sans avoir vraiment de temps pour nous avant, parce qu'on était un peu en retard. Donc, on va vous en faire profiter, puisqu'on va faire le résumé des épisodes précédents en direct là pour vous. Je vais m'en occuper en tant que conteur. Et puis, chaque personnage prendra un petit temps pour vous donner aussi son point de vue en tant que personnage sur les événements précédents. Ça va pas être très long, vraiment quelques lignes. Voilà, j'en suis là. Pour moi, la prochaine piste la plus importante, c'est ça. Le prochain objectif personnel que je veux poursuivre, c'est ça. Et comme ça, on aura un beau paysage pour reprendre la campagne. Voilà, donc on va y aller. Comme d'habitude, petite musique pour se mettre dans l'ambiance. C'est maintenant que démarre vraiment la session. J'attends qu'elle
qu'elle monte un petit peu, qu'elle s'installe, et puis je prendrai la parole juste après. Donc, comme d'habitude, on vous voit le chat, on peut vous parler dans le chat du stream, mais on vous répondra pas forcément. Vampire, la mascarade, Anarche et les By Night. Donc, nouvelle session, ça commence tout de suite. Nous sommes à Los Angeles et nos quatre personnages, Pearl, Sophia, Luke et Arch, travaillent pour l'émissaire du baron de Los Angeles dans le downtown, Nines Rodriguez. Ils pensaient pouvoir mener une non-vie relativement satisfaisante, tranquille peut-être, même pour certains d'entre eux, gratifiante financièrement pour d'autres. Mais ils ont été mis sur la piste de disparition. On leur a demandé d'enquêter sur la disparition de John Sinclair. Cette enquête leur a montré que, visiblement, une drogue circulait au sein de certaines soirées et qu'elle avait la couleur de la cendre. Et non content d'en avoir la couleur, elle en avait également le goût aromatisé au sang de damnés. Littéralement, du sang de vampire se trouvait, par un procédé étrange, scientifique ou alchimique, à l'intérieur de cette substance qui produit des effets incompréhensibles, même pour notre tête bien pleine, Pearl, qui ne s'explique pas vraiment comment cette étrange alchimie peut se produire, à quoi elle sert et qui est derrière tout cela. Par ailleurs, en toile de fond, l'étrange message « Why do you obey ?»« Pourquoi tu obéis ?» s'est répandu sur la toile et a infesté le net, pourtant d'habitude si bien protégé, qu'utilisent les damnés. Message semble provenir, à ce qu'en a compris Arch, d'un ancien malkavien nommé Jacob. Et pour l'instant, rien n'indique que ces deux faits étranges soient liés. Pourtant, l'ambiance en ville est bouleversée par ces nouvelles. Car l'Alastor Lucinde est arrivée de la Camarilla pour ordonner à Los Angeles d'arrêter les coupables derrière ce message, annonçant que si c'était fait, Los Angeles serait enfin le territoire anarche libre et qu'il ne serait plus contesté par le prince Vannevar Thomas. Certains ont pris ça pour une fourberie supplémentaire, un mensonge de plus, une tentative d'apaiser les tensions. D'autres s'interrogent sur l'intérêt d'une telle manœuvre. Et dans tout ça, beaucoup de choses très difficiles sont arrivées à cette pauvre Moira Rousseau, la très bonne amie de très longue date de Luc. Luc n'était pas un maître comme les autres avec Moira. Il s'entendait bien. Il l'a mise sur la piste de cette drogue et d'une société d'escort girl qui semblait y être liée. Fait intéressant, cette société d'escort girl semble employer des gardes du corps musclés et damnés. Car lorsqu'ils ont retrouvé Moira, elle était gardée par des ghouls ou des vampires. Et nous nous sommes arrivés alors que notre groupe, chez Luc,
après une nuit intense, se remettait de ses émotions, avait récupéré Moira. Moira qui, derrière l'immense baie vitrée du penthouse de Luc, alors que sa nature avait changé, regardait le soleil se lever sur elle. Ce soir, alors que la nuit tombe et que les yeux morts de nos protagonistes s'ouvrent sur la nuit de Los Angeles et ses lumières, sur sa moiteur et son bruit, sur son monde grouillant, chacun et chacune va nous livrer ses dernières impressions et les derniers points d'intérêt et pistes à suivre qu'il aimerait explorer au vu des derniers événements. Et je vais me permettre de commencer ce soir par Luc, car c'est quand même celui dont la vie a été la plus bouleversée lors de notre dernière rencontre, puisque c'est Moira, qu'il connaît très bien, qui lui est revenue dans un état très différent. Et sans doute que la nature de vos relations et de ce que tu vas engager, Luc, pour comprendre ce qui lui est arrivé, va être quelque chose de décisif. Donc, je te laisse la parole, Luc. Pour Luc, c'est assez compliqué parce que la nouvelle nature de Moira, qui est passée du fait d'être magoule, mais on avait une relation qui était assez différente de celle d'un maître et de sa goule, mais avec son nouveau statut de sans-clair, en général, moi, les sans-clairs, je ne vois pas ça d'un bon œil. Je sais que les anarches qui sont plus tolérants à leur sujet, mais personnellement, je trouvais que c'était quelque chose de plutôt honteux et que ça faisait un peu honte à la famille en général, à notre nature vampirique. Mais avec ce changement très personnel de quelqu'un auquel Luc est attaché, ça bouleverse pas mal les perceptions et la façon de voir un peu les choses et même d'appréhender toute cette histoire de sang clair, de drogue, de cendres, les messages. Du coup, Luc est pas mal en réflexion sur pas mal de sujets, mais peut-être cela ouvrira-t-il des portes insoupçonnées. Il n'y a jamais vraiment de problème avec Luc, il n'y a que des opportunités à saisir, donc peut-être que. Merci Luc. Donc tu t'éveilles et étonnamment, tu trouves Moira endormie dans un rythme du coup plutôt humain sur le grand canapé de cuir de ton penthouse, enroulé un peu nonchalamment dans une de tes couvertures. Et en t'approchant, il te semble même l'avoir légèrement, très peu. Peut-être pas à un rythme normal, peut-être qu'une fois par minute, mais respirer. De son côté, Sophia est en train de se faire belle, de se remettre du vernis sur les ongles avant d'affronter cette nuit. Ah oui, mais c'est important que chaque nuit soit exceptionnelle. Et pour qu'elle soit exceptionnelle, ça commence par être soi-même exceptionnel. Et en plus, j'ai fait un petit... je me suis dit, ah, c'est rigolo. En plus, Arc, il va adorer. J'ai fait que des ongles noirs, sauf un rouge, parce que c'est ma première victime vampire. Et je pense qu'à chaque fois que j'en rajouterai un, je mettrai un petit peu de rouge. Ça fera une petite référence. En tout cas, à titre personnel, le compteur aime beaucoup cela. Et qu'en est-il de la pratique artistique de Sophia ? Est-ce qu'elle se sent engagée ? Est-ce qu'elle se sent bien ?
Elle a découvert des choses merveilleuses la nuit dernière. Elle pensait que déjà elle était géniale et qu'elle pouvait arriver à... Elle a un but grand, et donc ça prend une éternité, et ça tombe bien, elle l'a, à faire découvrir au monde entier. Et là, elle avait découvert une facette qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle n'est pas aussi studieuse que Pearl. Mais bon, la joie de la découverte est toujours enrichissante. Et oui, son projet va être beaucoup plus grand, elle ne va pas s'arrêter dans le monde des mortels. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Sophia au firmament du monde des damnés. Je suis sûre qu'elle en est plus que capable. Ah oui. Ben voilà, donc une Sophia toute rayonnante, aussi morte qu'elle est. Mais oui, beaucoup d'entrain, beaucoup de sourires pour cette nouvelle nuit. Et je pense que ça se ressent, que je suis un peu plus guillerette que d'habitude. Et sans doute d'ailleurs en contraste avec l'ambiance plutôt morne, ou en tout cas les caractères plus angoissés au regard de la situation, Comte et camarade. Parlant d'angoisse, parlant de stress, parlant de paranoïa et de doute, je vais donner la parole à Arch après une telle nuit. Tellement de choses se sont passées, tellement de red flags aussi sur vous et votre groupe. Où en est Arch ? Arch, pleutre. C'est pas lui qui va vous parler maintenant, c'est plutôt moi, Sophos. Paf, il s'est enfermé chez lui, comme d'habitude, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire beaucoup trop régulièrement à mon goût. Il voit des traîtres partout. Il est en train de fouiller frénétiquement ShrekNet pour trouver des infos. Des infos sur quoi ? J'en sais rien, c'est pas mon problème. En tout cas, il a peur... de moult choses, mais en particulier, ce qui craint, je cite, c'est que Lucinda, quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, celle-là, même si c'est une infâme connasse, elle veut qu'on lui livre des types. Et même si c'est sûrement une traîtrise de sa part, qu'elle nous promette Los Angeles, tout ça, machin, si on le fait pas dans moins d'un mois, on va quand même tous se faire décimer, et ça, il faut quand même le prendre au sérieux. Voilà. Voilà, je pose ça là. Et de plus... Alors, il y a des conspirations partout, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de retrouver peut-être Jacob. Parce que si même lui aussi, c'est un infâme traître, d'après Arch, il a des réponses. Il nous a quand même prévenu de quelque chose. Et même si on peut avoir confiance à personne, sauf Pearl, d'après Arch, on peut avoir confiance en Pearl. Bon. Enfin bon, je suis bien d'accord avec lui qu'il faut trouver Jacob. En effet, si nos spectateuristes n'avaient pas compris le sous-texte, je vais le redonner. La menace de Lucinda est très claire. Sous son apparente proposition amicale d'offrir la liberté à Los Angeles, il y a évidemment une menace voilée extrêmement claire, qui est que si d'ici un mois, elle n'a pas obtenu les résultats escomptés, ce sera un prétexte pour Vannevar Thomas et la Camarilla à envahir Los Angeles et à provoquer une énième guerre entre les deux territoires, en la justifiant par cet supposé échec. Évidemment, la situation est donc particulièrement urgente et trouver un coupable est très tentant, du coup, ne serait-ce que d'un point de vue diplomatique. Et on va terminer... par Pearl, j'aimerais un peu l'analyse de notre occultiste, notre sachante, celle qui se met au service des archives des damnés depuis assez longtemps. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu en comprends, Pearl ? Et où en es-tu ? Je me réveille brutalement avec la conscience que la menace de Lucinda et le fait que Vannevar Thomas est censé renoncer à ses prétentions si nous résolvons le problème d'ici un mois est une question complètement secondaire. Qu'est-ce qu'un mois par rapport à ce que nous avons conquis, nous qui avons appris à distiller la patience quand la mort se refusait à nous? Bref, nous avons des sujets plus importants à traiter.
Et quand je me réveille, je poursuis très exactement le cours et le fil de pensée qui m'occupait lorsque je me suis effondré, captivé par le lever du soleil. C'est Athanor Corporis, la calcination, le nigredo, c'est comment passer de l'œuvre noire et comment le sang des damnés peut-il être exploité dans le cadre d'une opération alchimique. On parle de alchimia, qui est la science des quantités, sans doute du sang, mais également du solva et coagula, qui indique les transformations. Bref, comme vous l'avez compris, je suis perdu dans mes élaborations, qui semblent indiquer que derrière cette vague agitation politique, je trouve quelque chose de bien plus fondamental avec quelqu'un qui a une connaissance du sang bien plus profonde et qui mérite absolument toute mon attention et celle du clan, et plus précisément de ma partie du clan, de ma part du clan, qui cherche à s'émanciper, à s'extirper de la mainmise de la hiérarchie. Et la connaissance est une arme. Donc, ce que je vais chercher, c'est pas forcément la victoire des anarches ou quoi que ce soit. Je veux cette connaissance, je veux savoir ce qui se passe, car cette drogue est un point d'entrée dans quelque chose de beaucoup plus important. Et bien c'est là-dessus que le compteur va réagir et vous demander, alors que vous vous retrouvez dans ce grand salon où Moira, je vous le dis à tous, semble en effet produire peut-être une respiration par minute. Peut-être un battement de cœur toutes les 4 minutes. Ce qui est assez dérangeant. Parce que vous le percevez. Vous êtes des prédateurs surnaturels et lorsque vous pénétrez dans la pièce pour vous retrouver tous les 4, il y a de cette damnée quelque chose d'inhabituel qui s'échappe. Et de gênant. C'est bizarre. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas pourquoi. C'est petit. C'est vibrant. C'est presque un peu vivant. Et vous vous retrouvez ensemble. Et quelle action vous allez mener ce soir ? Vous avez beaucoup de pistes, vous avez beaucoup de choses à faire. Je vous laisse un petit temps pour en discuter, mais nous allons considérer que vous êtes dans une urgence relative et qu'il va falloir vous décider rapidement sur la suite des opérations. Vous pouvez évidemment réveiller Moira à tout instant si vous souhaitez lui parler. Elle semble dormir, comme le ferait un humain. Compteur, est-ce que depuis son retour, depuis qu'on l'a retrouvée, elle a émis le souhait de se nourrir d'une quelconque manière ? Pas encore. Si oui, comment ? Pas encore. Non. Je pense qu'il ne faut pas la déranger, c'est sa première non-nuit. Ouais. Bah moi je serais plutôt d'avis de l'interroger parce qu'elle a peut-être des infos en fait. Moi je suis absolument d'accord avec Arch, les informations auxquelles nous avons accès sont pour l'instant extrêmement limitées. Elles impliquent de solliciter des ressources lointaines et difficiles d'accès. Ce que nous avons sous la main doit être exploité immédiatement. Je vous trouve un peu dur quand même. Après, par, rapport la main, par rapport dur, c'est-à-dire dans un mois, Los Angeles n'est plus. Ah bah merci, je suis pas le seul à m'en soucier. Oui, voilà. Merci, Arch. Ah, merci, Pearl. Ce que nous avons sous la main a quand même un nom, donc c'est Moira. Donc, si vous voulez lui poser des questions, j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, ménagez-la. Non, mais avec pas... douceur. Luc, n'importe qui. Tu poseras les questions toi-même. Je pense que en termes d'efficacité, c'est beaucoup plus pertinent. Néanmoins, je ne vois pas l'intérêt de la laisser se reposer
un mois, je rappelle, un mois. Il faut avancer, Luc. Personnellement, tu as probablement plus de questions que moi à lui poser, Pearl. Donc, si tu... Ah, mais moi, ce qui m'a arrêté jusqu'ici, Luc, c'est la politesse. Hein. Si on peut partir sur une autre modalité, je suis prêt à être... En fait, à faire mon travail, tout simplement. Hein. Je t'en prie. Ok, bon, debout. Je pense qu'on s'était mal compris. Peut-être, c'est possible, ça, par contre. Du coup, dans une torpeur toute vampirique, néanmoins, tu la vas vraiment ouvrir des yeux, tac, d'un seul coup, te fixer, sans cligner des paupières. Ne pas s'étirer, ne pas ressentir les douleurs habituelles matinales, ne pas ressentir cette fatigue pesante caractéristique des nuits trop courtes, et s'asseoir d'un coup. Très bien. Alors, les premières impressions, c'est pas mal, non ? Oh, c'est horrible, tu veux dire, Sophia ? Oh, horrible. Vous avez la première. Goût dégueulasse dans la bouche, comme ça, tout le temps. J'ai l'impression d'avoir soif, mais presque comme si ma bouche était brûlée tout le temps. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore mangé. Mais tu verras, quand tu auras mangé, ce goût dégueulasse disparaîtra par un goût délicieux. Si tu sais choisir les bonnes personnes, n'est-ce pas, Luc? Oh. Ouais, jusqu'à présent, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup le choix. Oh. Est-ce qu'on peut abréger les politesses d'usage, là? Oui, voilà, si c'est grave, je peux la nourrir, hein. Non, mais vu ce qui m'est arrivé, je comprends que vous ayez des questions, et j'en ai plein, moi aussi, on peut y aller. Prenons un raccourci. Oui, les nôtres sont plus importantes, ça c'est un raccourci. Les mots sont... Bah, je t'en prie, alors dépêche-toi, Pearl, me fais pas perdre mon temps. J'aimerais bien savoir ce qui m'est arrivé, et ce qu'ils m'ont fait. Oui, alors, on va commencer simplement. Quelles sont les dernières choses dont tu te rappelles concernant quelqu'un qui aurait pu tenter de te tuer et de te mettre en contact avec son propre sang? Et quelles sensations as-tu ressenti à cet instant? Ah bah, c'est simple, c'est Sergueï. Très bien. Tu as le souvenir d'un goût, tu as le souvenir d'une sensation, d'une émotion au moment où cela s'est passé? Bah, en fait, je suis arrivée là-bas comme ils le font à toutes les escortes, donc à savoir les yeux bandés, alors qu'on m'avait séparé de mes affaires et de mon téléphone. Ça, c'est habituel. Je pense qu'ils font ça avec toutes les filles. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de leur conversation et ce que j'ai cru comprendre. Je pensais jamais tomber sur des types comme ça. Je pensais qu'avec mes talents, je m'en sortirais. Je m'en sors toujours, Pearl. Je veux dire, des proxénètes à la petite semaine et des connards qui gèrent les filles, j'en ai entourloupé plus d'un, ça fait partie de mes compétences. J'aurais jamais imaginé qu'ils me piégeraient comme ça. En fait, j'aurais jamais imaginé tomber sur des damnés, je vais être très clair, je le sentais pas venir. C'est pas ta faute. De toute manière, contre eux, tu ne pouvais rien. Et là, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un interrogatoire en culpabilité. C'est une instruction. Tout ce que je peux te dire, c'est que ils m'ont filé cette drogue. Mm-hmm. Ça m'a donné plein de visions. C'était très bizarre. J'avais vraiment la sensation qu'il y avait des dizaines d'âmes là-dedans, tu vois, comme si c'était une sorte de... Comme si j'avais les pensées d'autres en moi. Personnes. Et j'ai un peu perdu connaissance, ou en tout cas, ce truc m'a vraiment troublée. C'est le moment qu'il a choisi pour se nourrir sur moi. J'ai cru que j'étais morte. Et je sais pas pourquoi, finalement, je l'étais pas. Ce que je me souviens, c'est qu'il m'a fait boire son sang, et que dans son sang à lui, il y en avait plein d'autres. C'est un drôle de choix, mais je pense que c'est une erreur de sa part. Et ce qui m'a terrifié, Pearl, c'est que... Je sais pas comment l'expliquer. J'avais l'impression qu'il était tous les vampires à la fois. Et aussi,
comme s'il savait tout faire. Comme s'il savait tout faire. Comme s'il avait en lui la connaissance de toutes les sagesses accumulées car dérobées à ses victimes, par exemple. Ouais, bah, exactement. Exactement. Il n'a pas su faire le plus important, c'est-à-dire s'en sortir. Hein. Exactement. Mais ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible, parce que il avait l'air... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il était pas comme vous. Vous voyez, pas comme Luc. Enfin, moi, c'est surtout Luc que je connais, mais Luc, il a un sang, comme vous dites. Et puis toi, et Sophia, et Arch, vous avez un sang. Vous voyez, vous avez une sorte de... Mais lui, il n'en avait pas. Moira, et moi, j'en ai pas non plus. Et du coup, je suis rien, je suis personne. Si. Comment je vais m'insérer, moi, dans votre truc, maintenant? Alors, le sang est quelque chose de complexe, de compliqué, et qui n'est pas aussi monolithique que ce que les clans voudraient faire croire. Le sang se mêle, le sang change, le sang évolue, le sang parfois est dominé, se soumet, puis reprend le pas. Parfois, le sang se décide, le sang décide pour lui-même. Ce sont des choses qui arrivent. En parlant de mélange social, c'est bien quelque chose. Je sais que tu as agi un peu dans l'empressement, mais je suis pas sûre que c'était une bonne idée de faire ce que tu as fait, parce que là, on va vraiment être dans la mouise si on se représente devant tout le monde comme ça. Après, il y a un autre truc que je devrais vous dire, mais... faut pas vous mettre en rogne, hein, d'accord ? Surtout toi, Luc. Faites Pearl non plus. Faites aucun d'entre vous. Bah. J'ai l'impression que je m'en serais sortie bien, c'est pas le mot que j'allais dire, mais comme les autres filles, et qu'il me serait pas arrivé ça s'ils m'avaient pas choisi. Et je crois qu'ils m'ont choisi. Oh. Oui, enfin, oui. Bah, dis-lui, Luc. Dire quoi? Bah, on n'est pas choisi. Non, tu comprends pas. On a un rôle à jouer. Moi, j'ai été choisi. Oui, mais alors là, par contre, Sophia, ça ne m'étonne absolument pas que tu aies été choisi. Ça, c'est sûr. Vous comprenez pas ce que je dis. J'ai été embauché, c'est différent. Nous avons été choisis aussi. Faites comme vous voulez. Si vous avez l'impression d'être spéciaux. Et spécial, c'est bien. Quand même. Non, mais oui, je pense que je suis spécial, et je pense que si il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, et que c'est allé aussi loin, et que ce taré m'a fait ça, oui, je pense qu'il m'a choisi. Et alors, dans ce cas-là, Luc, je te laisse expliquer à Moira en quoi elle est spéciale et pourquoi tu l'as choisi. Ce sera sans doute une bonne question. Ok, du coup, elle se lève d'un bond. Elle attrape la main d'Arch, qui a des compétences pour sentir les choses que les autres ne sentent pas. Elle prend ta main, elle la pose sur son ventre, du coup. Et le petit battement de cœur imperceptible que tu avais senti en arrivant dans la pièce tout à l'heure, tu le sens sous ta main. Pulser. C'est quoi ça, Moira? Me force pas à aller fouiller moi-même là-dedans. Je vous dis qu'ils m'ont pas choisi au hasard. Ils m'ont donné cette drogue et ils m'ont fait ça parce que je vais avoir un bébé. Ils en ont parlé à côté de moi. Ah ben. Est-ce que tu connais ce genre de truc? J'ai des références, mais malheureusement, qui remontent à loin et dont l'issue, j'imagine, n'intéressera personne. J'ai connu des pratiques de ce type de manipulation de la chair et de tentatives, d'imprégnation, comme vous dites dans votre langue, de la chair vivante par les propriétés des défunts que nous sommes. Mais nous remontons là au 13e, 12e, 11e siècle, au Moyen-Âge, au fin fond de l'Europe orientale. Et
Malheureusement, ce genre de pratique fait partie des choses que nous avons cru déceler et comprendre parmi nos pires ennemis. Et à aucun moment, cette tentative de manipulation de la chair, de distorsion, de reconquête... Écoute, j'en sais rien si ça va marcher ou pas, Pearl, mais... Quoi ? Si c'est acceptable et personne ne va toucher à ce bébé, d'accord ? Il était là avant qu'il me fasse ce truc. Et je sais de source sûre, parce que je le sens, qu'il est là toujours après et il va rester là, ok ? C'est mon corps et c'est mon choix. T'as déjà entendu ça, Pearl ? Surtout toi, en particulier, hein ? C'est le genre de sujet qui t'intéresse ? Ça concerne... Non, c'est tout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais personne ne touchera à ce bébé. Malheureusement, j'ai une idée, Moira, et c'est bien ça qui m'inquiète. Et après tout... Je pense que Luc sera de meilleur conseil. Ah bah... Moi, je suis d'accord avec Moira. Hein. Elle est libre arbitre de son corps et c'est bien normal. Tout dépend du danger qu'elle représente pour la communauté. Non, mais tout dépend de rien du tout. Et si tu me ressors un truc comme ça, tu sais quoi ? Je vais juste me barrer et je vais partir toute seule. C'est ça qui va se passer. C'est pas comme si je pouvais pas te rattraper, mais oui, d'accord, je comprends. Je comprends l'idée, en tout cas. C'est pas comme si je pourrais t'intercepter, Pearl. Bon. Oui, non, mais je savais que t'allais dire ça. Moira restera là, elle et... Oui, mais prends conscience de ce qui se passe, Luc. Prends conscience. Cette chose... Cette chose. Ah bah voilà. C'est moi l'impoli, maintenant. Oui, bah désolé. En attendant de savoir exactement la nature de ça, je vais... Ouais, tu pourrais dire ça. C'est une chose. Bah, désolé. Je peux peut-être aider. Si tu m'autorises à un peu sonder, Moira, je veux pas interférer avec, hein. Juste... Je te laisse absolument le faire. Tu peux faire une lecture de l'âme qui va te dévoiler donc l'état émotionnel, la nature surnaturelle de la cible et tout ça. Donc pour ça, il faut que tu fasses un jet d'intelligence plus auspex. Donc en ce qui te concerne, ça te fait... J'ai juste fait un mauvais jet de dé, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Donc ça te fait... Je pense 4 ou 6... Non, 4 parce que tu dois avoir une spécialité... Et elle ne résiste pas, donc pas de raison que ça ne marche pas simplement. On va regarder s'il y a un coût. Est-ce que ça te coûte quelque chose ? Non, j'ai pas l'impression. Je pense que tu n'as pas de rose check à faire, donc voilà. Donc, elle ne résiste pas. Donc comment je fais pour lancer déjà ? Du coup, tu prends juste les 6 dés qui correspondent à ton jet. Il faut juste pas faire un échec bestial ou une réussite, je sais plus comment on dit. Bref, faut pas que ce soit la bête qui prenne le contrôle, mais en dehors de ça, il n'y a pas de raison que tu échoues. Ok. Aucun problème. Ça fonctionne, il y a du coup... Ah non, c'est un échec. Combien as-tu de dés de soif, du coup ? C'est quand même dingue, ça. Tu en as 2. Ok, on va dire que c'est les 2 derniers, comme d'habitude. Donc, c'est un échec classique. Eh bien, écoute, tu sens la chose vibrer en elle. Il n'y a pas vraiment de pensée. Il n'y a pas vraiment de choses très claires qui apparaissent. C'est quelque chose qui a l'air vivant et mort à la fois. C'est pas une sensation que tu connais, c'est pas quelque chose que tu as déjà expérimenté. Donc la nature surnaturelle de ça, de ce bébé, finalement t'échappe. Il y a vraiment... c'est au-delà du sang clair ou de la personne qui aurait plusieurs sens, ce qui peut être déroutant parce que du coup, c'est pas la nature des clans, la nature surnaturelle habituelle. Là, non, c'est vraiment étrange. Et il y a vraiment dans tes perceptions tout ton corps qui vibre au moment où ce petit cœur bat et qui bat pas du tout à un rythme normal. T'as vraiment l'impression qu'il est absolument au ralenti, comme s'il pouvait se passer d'être vraiment utile. Il y a pas vraiment d'état émotionnel. La nature surnaturelle est très difficile à décrire. Il y a la présence d'une influence magique, mais t'as l'impression que ça émane de tout l'être de Moira en cet instant.
quelque chose en elle est modifié. Elle a clairement subi. On lui a fait quelque chose de spécial. Et ça a fonctionné. Alors, des éclaircissements ? Je sais pas trop. Je crois que, comme Moira est sous une espèce d'influence magique qui m'est inconnue, ça interfère avec ma vision. Je suis désolée, Luc. J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais je suis pas trop dans mon assiette. Là, peut-être que je pourrais un autre jour tenter d'aller plus loin. On a un mois pour avoir le fin mot de cette histoire, après tout. En tout cas, moi, je veux pas vous provoquer. Et après ce que j'ai vécu, franchement, qu'on soit d'accord, je suis de votre côté, je ferai tout pour les retrouver. Et me venger, si j'en ai l'occasion. Mais... J'ai entamé ta vengeance. C'était pas volontaire, mais ça a été fait quand même. Après, je veux pas vous faire paniquer, hein. Moi je vous fais confiance. Mais je les ai quand même entendus dire tous ces connards, et en particulier Sergueï, il en était persuadé, qu'ils étaient une sorte de vraie révolte, de vraie révolution, de vrai futur, de vraie version de vous, quoi. En gros, ils trouvent que vous êtes un peu des mous, si je puis dire, quoi. Ils ont une sorte de projet. C'est ça qu'ils font, ils ont une sorte de projet. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Moira, si je puis me permettre. En quoi pense-t-il être meilleur que nous ? Ben, en tout, apparemment. Je pense que vous êtes le passé. Et que vous ne saurez pas vous défendre. C'est assez ironique quand on sait que le passé, dans notre genre, est synonyme de puissance. Mais... Ben, j'en sais rien. Je vous dis juste que j'ai entendu... dans des discussions qui traînaient autour de moi. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est m'assurer de ma sécurité, de la sécurité de cet enfant, et que vous m'aidiez à ce qu'il lui arrive rien, parce que je vous connais, vous autres. Luc, c'est à toi, là, que je veux vraiment faire confiance. Je vous connais. Je sais ce que vous faites à ceux qui sont hors des clous, pas présenté comme il faut, pas fait comme il faut. Je suis pas prête à ce qu'il m'arrive quoi que ce soit, et je suis pas prête à ce qu'il arrive quoi que ce soit à cet enfant. Il m'est jamais arrivé quelque chose de personnel et de bien. Et si j'ai pris la décision de le garder alors que je sais pas vraiment qui est son père et j'ai pas envie de le savoir, c'est pas pour qu'on vienne me faire chier. Si j'ai pris cette décision dans la vie tout aussi complexe et sous autorité qu'elle soit, je veux pas qu'on vienne me la reprendre dans la non-vie, c'est hors de question. Et la seule personne en qui j'ai confiance, c'est toi, Luc. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Par contre, les murs ont des oreilles chez moi, Moira. Tu sais que... quelqu'un... a toujours un œil sur moi et sur les miens. Toujours. Faut qu'on arrive à se débarrasser de cette vieille conne. De laquelle ? Parce qu'il y en a pas mal. Mais c'est vrai, autant pour moi. La plus vieille et la plus conne. De toutes. En tout cas, celle qui est la plus dangereuse, en tout cas, pour moi, pour Moira, pour toute cette petite affaire. Il va falloir être discret, il va falloir que tu fasses comme si rien n'avait changé. Je vais faire comme si rien n'avait changé. Ouais, bien sûr. Et puis je vais rester discrète. C'est pas mon fort, mais je vais essayer. Parce que je sais pas à qui je peux faire confiance. En tout cas, vous êtes les seuls quatre à être au courant. En plus de... des tarés qui étaient à l'hôtel. Après, je sais pas s'ils ont mis d'autres gens au courant, si je vais être suivie, si je suis une sorte d'expérience et que du coup, ils ont donné ma description, ma position. J'en sais rien, en fait. Ça se trouve, je vous mets en danger d'être avec vous. On n'en sait rien, en fait. On est en danger. Nous sommes le danger.
C'est notre non-vie le danger. C'est ça qui est excitant. Ouais. Non, Sophia, non, non. Franchement, Sophia, il y a vraiment des choses. C'est le changement opéré depuis la dernière fois, mais. Depuis la dernière nuit, oui. Je te trouve. Ceci dit, c'est très flou, mais. Ceci dit, c'est très flou, mais ce qu'évoque Moira, moi, quand j'ai goûté à Sergueï jusqu'à son dernière goutte de sang, j'ai eu des visions comme ça. Alors, je ne m'en souviens pas, c'est très, très, très flou, mais ça m'est revenu, oui. Sorte de chronologie du passé et cette ambition du futur. Non, mais... Ça m'évoque quelque chose. Il faudrait que... Oui. C'est ça. Cette ambition. Mais, non, mais alors, je suis très mère. L'ambition du futur qu'on sent en buvant le sang d'un autre, en fait, non, stop. Je vous le dis, arrêtez. Si, arrêtez. Ah bah, on mais est deux. Faut faire, on est mais deux faut à faire... avoir senti ça. Non. Mais alors que vous l'ayez senti, je ne dis pas. Mais là, vous êtes en train d'utiliser le souvenir d'autres comme un véhicule. Mais il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de destination. Mais non, mais Pearl, tu comprends pas. Si, il y a une destination. Ils vont faire quelque chose, ils vont quelque part. C'est ça ? Ils marchent sur les épaules les uns des autres pour arriver à un objectif. Je comprends ça, Moira. Je le comprends de manière tellement intime. Mais d'accord, mais on fait quoi ? Je sais que c'est d'où je viens très exactement. Mais oui, d'accord, mais on fait quoi ? Ils ont leur drogue à la con, ils ont leur machin d'escort girl, ils font disparaître des jeunes de partout, ils m'ont pécho et on sait très bien pourquoi. Moi, je suis sûre que c'est pas un hasard, ils veulent faire des expériences en fait, c'est ça. Ils prennent des vampires, des ghouls, ils veulent essaimer sur Terre, tout comme le sabbat souhaite se manifester sur Terre afin de reprendre la main sur ce monde. C'est à tout. À mon avis. Non, c'est pas tout. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Bah quoi ? Alors vas-y, apprends-moi quelque chose, Moira. Tiens. Ah bah, je pense qu'elle peut t'apprendre deux, trois choses, Pearl. Excuse-moi. Oui, bah... Mais moi, j'en sais rien, j'ai pas le nez dans tes bouquins, Pearl. Et Sophia non plus. N'empêche que c'est qui l'a goûté le sang de Sergueï au bout d'un moment ? C'est toi ? Ouais. C'est Sophia. Non, c'est moi. Voilà, exactement. C'est Sophia. Et voilà. Pas jaloux, Pearl. Ouais, c'était un coup d'un soir, si je puis me permettre. Il y a pas de jalousie dans la recherche. Jamais été vexé parce que mon nom n'était pas sur le papier. Ah non, stop. On arrête immédiatement les petites batailles d'ego. Moi, ce qui m'intéresse, Moira, c'est quand tu dis il au pluriel, il en reste combien ? Ah bah moi je sais pas, mais ils ont l'air d'être une organisation. Ils avaient des burner phones, j'ai entendu passer des coups de fil. Enfin je veux dire, ils sont clairement plusieurs. C'est pas juste trois kékés avec une voiture et un hôtel miteux. Il se passe quelque chose, quoi. Mais ça se trouve, j'ai une puce à l'intérieur du corps. Bon. Je sais pas. Je suis une cible ambulante. En fait, je n'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je suis encore en vie. Je pensais que j'allais mourir. Si c'était une puce, je l'aurais détectée. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis pas vraiment en vie. Enfin, tu vois, quoi. Ceci étant dit, y a pas que... Sauf ton respect, Moira, t'es pas la seule dans ton cas, effectivement. Donc peut-être qu'on peut en retrouver d'autres. C'est quoi nos pistes, là ? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous aider aussi ? Qu'est-ce qu'on a exploité jusqu'alors et qu'est-ce qui nous reste concrètement comme très grosse piste à exploiter ? Les Sanclairs qui avaient disparu, on avait enquêté uniquement sur une des personnes, il me semble. Mm-hmm. Alors, il vous reste pas mal de pistes. Est-ce que nous penchons sur American Dream pour être une piste ? Ce n'est pas ma spécialité, mais... Peut-être, mais il n'y avait pas grand-chose sur ce truc. Qui était la société, si je me souviens bien, de la société d'escorte, quoi, finalement. Mm-hmm. Mais j'imagine que s'il y a un grand plan, comme le dit Moira, la société d'escorte est une façade pour un projet plus construit. Après, bon,
On avait également les produits, il me semble, de cash. Ouais, j'allais vous le dire, vous avez plusieurs pistes et développements que vous souhaitiez... intéressants. Que vous souhaitiez, que vous souhaitiez creuser. Donc, le compteur peut vous faire un rappel pour vous aider. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous souhaitiez faire des recherches plus approfondies sur le personnage de Jacob dans l'histoire malkavienne pour savoir qui il était, pourquoi il pouvait être lié à des choses, à ce qui se passe, à la question rouge. Vous souhaitiez voir ce qu'était la magie de l'aube, puisqu'il y avait cette chose qui avait interpellé Pearl lors de ses recherches. Elle avait trouvé des choses à ce propos c'était assez bizarre. Il y avait le nom d'un groupe qui était apparu aussi, il me semble, que tu l'avais trouvé. Dans une vision, tu avais entendu, je crois, Ashfinders, il me semble bien. Vous vouliez essayer de savoir qui était le client de Cash lors de la dernière soirée, puisque vous ne lui aviez pas posé la question. Vous souhaitiez carrément appeler le numéro de téléphone fourni par Cash, qui était censé être celui où il appelait pour se faire livrer les quantités nécessaires à dealer, donc potentiellement remonter un filon plus gros, en fait, plus important du deal. Oui. Mmh. Et vous aviez proposé d'enquêter peut-être sur d'autres disparus du Succubus Club et de Santa Monica. Je vais pas retrouver son nom. De la boîte de nuit de Santa Monica, qui est l'Elysium, je crois. Non, c'est pas ça. Attends. C'était pas genre la fabrique ou un truc comme ça? Alors, Cédric, tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est quoi le nom de la boîte de nuit de Jeannette? C'est pas l'Asylum. Asylum, merci. Voilà. Ah oui. Donc c'était un petit peu les choses que vous souhaitiez creuser. Donc je vous propose... voilà. Et sinon, Arch nous demande si Sergei avait un portable sur lui. Alors absolument. Et comme l'a dit Moira... Ils sont très organisés, plein de burners de merde, où il y a des numéros d'appel uniques. Enfin, c'est vraiment pas des rigolos. Et c'est pour ça que... Ouais, peut-être que quand elle te dit, Sophia, Pearl, qu'elle voit une vision, un plan, un futur derrière tout ça, et que Pearl a le sentiment qu'ils vous prennent un peu pour des rigolos, qu'ils vous prennent un peu de haut, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, ça j'aime pas, parce que les gens qui prennent les autres pour les rigolos, c'est nous, usuellement. Donc, alors juste pour faire très simple, je pense que Pearl, je me concentre sur les informations sur la magie de l'aube, sur les Ashfinders, sur Jacob, sur une approche assez livresque et en me référant à mes contacts de la maison Karna. En gros, je passe des coups de fil. J'ai pas prétention à avoir accès à un savoir, mais je voudrais au moins défricher le sujet avec mes sœurs de la maison Karna, et en rappelant que si jamais je suis questionné à cet égard, que ça a une importance particulière pour la ville de Los Angeles et sur son avenir proche, et notamment le fait qu'elle puisse basculer dans le chaos, voire pire, dans la Camarilla. C'est bien pire. Très bien. Donc, Pearl aura un rendez-vous à la maison Karna avec sa sire dans la soirée. Ce sera donc un de nos objectifs pour ce soir, et elle pourra apprendre des choses si elle n'y a pas accès. Est-ce qu'il y a un autre but que quelqu'un aimerait du coup poursuivre? Chacun son tour. Allez, on va laisser parler Sophia. Je pense que ça serait pas mal d'entendre un petit peu Sophia d'abord. Ouais. Je pense que je vais appeler le dealer, puisque j'ai fait la rencontre de Cash, ça s'est bien passé, on s'est bien entendu. J'étais sur ça aussi. Ah, ok. Bon, on fera équipe ensemble, Luc. Dans ce cas, vous pourrez faire équipe. C'est très bien. Ça marche. Superbe. Et Arch, du coup? J'aimerais trouver aussi des informations parmi les miens, même si on n'est pas toujours super fiable, et vraiment, ce serait Jacob que je cherche à retrouver. Ok. Eh bien, c'est excellent. Je vais donc vous séparer
pour que vous puissiez jouer ces scènes. Donc désolé d'avance, vous risquez d'être un peu spectateur des scènes des uns et des autres le temps que vous puissiez faire ça. Et je vais commencer par Sophia et Luc qui se décident tous les deux à prendre un peu les initiatives musclées, on va dire, et en dehors des réseaux sur Internet et en dehors des livres et des rendez-vous sociaux, non. Eux, ils en ont un peu marre, ils vont carrément faire le numéro de potentiellement d'un fournisseur, et donc plus d'un dealer. Je vous le rappelle, une carte très sobre, très chic, avec juste un numéro de téléphone, c'est quand même curieux. Vous avez la carte dans la main. Avant de faire le numéro, avant de le composer, j'aimerais savoir qui appelle. Luc, c'est toi le businessman. Je vais te laisser ce privilège. Alors, ce que moi je voudrais faire, je vais te le dire quand même parce que ça peut ouais. être un peu ballsy comme move, mais tu me diras ce que t'en penses. J'aime quand t'es ballsy. Je voudrais être cash avec la personne et de dire je sais qu'il se passe quelque chose autour de ce que vous dealez et quoi que ce soit, je veux en être. Ah, très comme bon, je ça. Suis... Comme je suis, on va dire, comme je suis touché directement via mes proches, je veux pas être tenu à l'écart. Voilà. S'il y a des questions, je veux des réponses, ne serait-ce que partielles. Essayez de mettre un peu les pieds dans le plat, les gros pieds dans le gros plat, quoi. Et à l'occasion, si jamais ça se passe mal ou quoi, moi je peux après mettre un coup de pression à Cash. Parce que bon, je l'aime beaucoup. Mais bon, qui châtie bien aime bien. Ça peut. Même si je pense que Cash n'a pas toutes les réponses non plus, j'ai l'impression, dans cette histoire. Oui, mais après on peut lui dire qu'il a merdé, que c'est de sa faute. Tout ça. Par contre, éventuellement, est-ce que tu peux vérifier sur ton réseau, sur ton app de rencontre, les connexions de Cash ? Parce que ce brave Cash, bon, il a un petit métier à dealer des trucs, mais je suppose que pour le plaisir, il cherche aussi à rencontrer des gens, il a des amis, il a des... Il y a peut-être moyen de creuser un peu dans les gens qui côtoient sur... Enfin, déjà, s'il côtoie des gens sur ton appli, et peut-être qu'on pourra faire des petits liens croisés, des noms qui ressortent ou des choses qui pourraient être un peu étranges comme connaissance pour un gars comme Cash, quoi, éventuellement. Très bien. Alors, ce que tu fais, tu mets en haut-parleur. Pendant ce temps-là, moi, je cherche sur l'appli de rencontre s'il y a des mots qui arrivent pour essayer d'aller le plus vite possible. Ok. Je prends mon téléphone et du coup, je commence à scroller. Et Arc reçoit une notification que je suis en train d'utiliser l'application. Avec un gros bouton rouge. Voilà. Ok, super. Du coup, en direct, Arch, au moment où ils vont faire le numéro pour appeler, donc si je me rappelle bien, tu supervises aussi les opérations pour Luc. Si je... Voilà. Et donc, je vais te demander... vous reviendrez pas en arrière quoi qu'il arrive. Hein. Là, on part du principe que vous appelez, que c'est Luc qui appelle. Donc voilà, on va rester là-dessus. Mais Arch, par contre, j'aimerais que tu me fasses un jet pendant. Alors attends, je le retrouve. Touk touk touk. Il est où ? Il est où ? Je trouve pas. De technologie. Donc tout au bout de la rangée technologie. Et donc ça va aller avec. Astuce, qui doit être Wits dans ta version si tu l'as en anglais. On a trois réussites classiques et une réussite bestiale, mais ça ne fait pas basculer les choses. Donc, à la seconde où Luc commence à composer le numéro et où la tonalité sonne, tu vois que son appel et son numéro sont tracés. Et pendant tout l'appel, tu vas lutter contre quelqu'un qui est de l'autre côté. Pour en fait ne pas
qu'on chope les infos du téléphone de Luc. Et en fait, t'es très surpris parce que pour que quelqu'un ait ce niveau d'information et de technologie au sein d'un groupe, c'est que c'est un groupe organisé, comme le vôtre, à minima, avec plusieurs personnes, et qu'il y a vraiment un réseau et que c'est vraiment tissé. Parce que sinon, un petit dealer, un vendeur de drogue classique, un fournisseur de banlieue, il ne va pas forcément déployer ses efforts technologiques pour tracer les gens qui l'appellent. Et là, toi, tu le vois immédiatement. Après 3 sonneries, ça décroche et ça parle pas. C'est juste que ça a décroché, Luc. Nous sommes intéressés par ce que vous avez à fournir. Je, à titre personnel, suis intéressé. On n'a peut-être pas les mêmes objectifs, mais on a des choses en commun depuis peu de temps. Quoi qu'il se trame, quoi que vous projetiez, je veux en être. Une voix vocodée à l'extrême pour qu'on ne puisse pas la reconnaître te répond. Qui vous recommande ? Je m'auto-recommande. Mais disons que j'ai été très persuasif avec l'une de vos petites mains. Avez-vous une identification ? Non. Faites une vente. Paquet à l'angle de Florence et Stanford. Si elle est concluante, nous rediscuterons. Ça raccroche. Alors ? Il est comment ? Il est vocodé et on est engagé. Yes ! Les affaires commencent. Hey. Oui ? Luc ? En fait, mon téléphone rappelle, c'est ça ? Luc, tu connais le concept de VPN, en fait ? Bien sûr. Tu sais que j'en ai installé un sur ton téléphone. Tu sais ce réseau privé pour $3.95, bien évidemment. Ah, merde. Bon, laisse tomber. Ça me saoule d'avance d'avoir expliqué 20 000 fois les mêmes choses, mais en gros, on a essayé de tracer ta position, quoi. Quand t'as appelé. C'est embêtant ? Je sais pas. Mais bien sûr que c'est embêtant, bien évidemment que c'est embêtant. Si on veut te choper là, bah, il pourrait le faire. Je suis pas sûre de les avoir empêchés de faire ça. Ouais, mais si j'ai envie qu'ils me chopent là, est-ce que c'est pas le moyen le plus simple ? Je croyais que le but c'était que nous on les chope, pas que eux ils nous chopent. Mais t'inquiète pas, Ark, je suis avec lui. Voilà. Ben, je protège sais pas si en plus. Bon, elle a des tas de nouveaux talents inexploités. Exactement. Probablement pas longtemps. Et sur les applis de rencontre. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui fait le petit Cash ? Eh ben, si vous vous souvenez, Cash, il est très beau. Oui. Il est magnifique. Il avait un style incroyable avec des piercings, un pantalon en cuir, tout ça. Particulièrement bien situé, oui. Et donc, en fait, ouais, il aime assez se montrer. Il fréquente beaucoup de clubs, parce que c'est là qu'il vend. Et du coup, il a tendance à beaucoup, beaucoup séduire, draguer et avoir énormément de réseaux. Et tu retrouves assez aisément sa trace. C'est pas des endroits discrets du tout. Tu penses qu'il est un peu comme toi. Il aime bien le côté caché en pleine lumière. Donc, il va dans des endroits très fréquentés pour éviter d'être pris par surprise quand il doit se montrer. Tu vois qu'il aime beaucoup sortir au downtown de Los Angeles, pas loin où vous êtes, dans un restaurant qui s'appelle Les Enfants Terribles. Oh, ça me rappelle un souvenir. Ça vous rappelle un souvenir. J'ai croisé un groupe
de personne très, très fringante, très, très courtoise à mon égard. Je me souviens. Et du coup, tu sais aussi que c'est un endroit où l'affrontement direct est impossible, mais que par contre, c'est un bon endroit pour se rencontrer en terrain neutre. Enfin, impossible, c'est possible, mais c'est très visible, quoi. Luc, je partage ces informations. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce que tu préfères avoir une garde du corps aussi sexy que dangereuse ? Parfois, tu peux... J'allais dire, si tu connais quelqu'un qui correspond à cette description, mais j'allais être vexant. Mais tu je crois que j'ai un petit si numéro pas très loin d'ici. Ouais. Tu peux m'accompagner si tu le veux, ou si tu as une autre piste, je me ferai accompagner par des hommes à moi, probablement sous moi, une surveillance discrète de Arch à distance, je suppose. Moi, je pense que la mission de la vente est prioritaire, donc je vais te suivre, et si jamais il reste du temps pour aller voir un... On peut peut-être trouver des clients là où tu es censé aller. Oui, mais d'abord, il faut récupérer, et ça, c'est la priorité. Mmh. Peut-être prévoir Pearl, enfin prévenir. Peut-être qu'elle voudrait analyser un peu de ce... T'es toujours en ligne ? Avant qu'on le vend. Arc ? C'est vraiment une question. Même oui. Même quand le téléphone est éteint, elle t'entend. Préviens Pearl. On a un contact. Arrête de crier au milieu de la rue, Sophia. On a déjà parlé de ça. Mais je suis pas au milieu de la rue. Si, je te trace en fait. T'es au milieu de la rue là. Mais non, on est dans la tour, dans la Luke Tower. C'est ça, au oui. Au milieu de la rue Tower. qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Je suis en train de faire autre chose à côté, là, c'est compliqué, là. Arch, alors vous démerdez un peu des fois aussi. J'ai téléphoné. Tu as vu l'appel. J'ai téléphoné à la personne qui fournissait le dealer. On a un paquet à récupérer à une adresse donnée, à une intersection. On doit faire une vente pour prouver notre bonne foi. Je pense que Pearl aimerait jeter un œil à ce qu'on va récupérer sur le coin de cette rue. C'est quoi le propos de la vente ? Mais tout le monde est sur cette ligne, c'est quoi ? Vous avez bien évidemment, je connais tout le monde, tant qu'à faire en fait. Qu'est-ce que tu as dit, Pearl ? C'est ? Bah, je sais pas, apparemment Arch vient de me mettre en communication, ça n'a même pas sonné, mais j'étais en ligne. Une vente, mais une vente de quoi ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi ? Les cendres. Le produit. Comment ça les vendre ? Vendre les cendres ? Mmh. À qui ? Je sais pas. Le premier qui viendra m'intéresser. Très sincèrement, je ne sais pas et je m'en fous un peu. Alors, je veux que cette histoire avance, qu'on sache des choses. Oui, d'accord, mais si on les vend à quelqu'un, il faut juste poser la question. Si on les vend à quelqu'un, c'est à quelqu'un qui ne les a pas produits, donc qui n'est pas au courant de la chose, donc qui est intéressé. Donc c'est des gens qui sont finalement concurrents de nous pour découvrir ce qui se passe. Potentiellement des alliés ou des ennemis. Impossible à savoir. Non, je pense qu'il faut juste vendre au même, enfin, de la même manière qu'a consommé Brooke et les autres, en fait. Oui. Je pense qu'il faut trouver un consommateur, pas quelqu'un qui va revendre pour nous. C'est vraiment... Oui, j'étais déjà l'étape du dessus. La personne qui a essayé d'investiguer sur le pourquoi du comment. Donc, juste un consommateur. Oui. Ça, je pense que ça va se trouver assez facilement. Oui, bah, des consommateurs. Une adresse, apparemment. Est-ce que tu veux, avant qu'on aille faire ça, est-ce que tu veux... avoir un... Je te savais intéressé pour goûter des tas de choses. Oui. Ce produit-là, est-ce que ça fait partie des choses que j'ai déjà eu en ma possession et goûté ou pas ? Parce que je l'ai déjà fait sur d'autres. Mais celui-là, je ne sais plus. Mais tu demandes à qui ? Au confrère ? Oui. Bah, je sais pas, moi.
Je sais peut-être, pas d'où. Peut-être que pas. D'où vient le produit? D'où vient le produit? Et on parle de vendre quoi et ça vient d'où en fait? Le fournisseur de cash. Ouais. Va déposer ce produit. Je pense qu'on parle des cendres là. Va déposer ce produit à un carrefour. Je vais le récupérer, le vendre. Et si la vente est concluante, peut-être qu'on aura d'autres contacts. Très bien. Alors moi, à des fins d'investigation, il est absolument évident que ce produit ne doit pas être vendu ni disparaître sans une analyse préalable. Donc il est oui, vous avez bien fait. Non mais c'est presque drôle qu'on parle de ça finalement. Il faut absolument me mettre une portion de la dose entre les mains afin que je puisse la goûter, l'analyser. Bien sûr. Fort bien. Tu vois pas d'opposition particulière à ce que je la vende? Non, mais ailleurs. En fait, peu importe. Là, enfin, vous savez, la rue, j'ai envie de dire, c'est votre monde. Hein. J'ai d'autres préoccupations. Faites comme vous voulez, vendez, faites de l'argent. On va essayer, nous, de notre côté, d'obtenir la vérité plutôt que du pognon. Mais on ne fait pas ça pour le pognon. On fait ça pour la vérité. Sophia, tu vois ce que je veux dire. Ou pas. Enfin, finalement, en tout cas, peu importe. Hein. Non, mais ça me fera mon dimanche. C'est pas grave. Je pourrais m'acheter une glace. Du coup, vous allez au point de rendez-vous récupérer le paquet, Sophia et Luc, c'est ça? Absolument. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille aussi à l'angle de Stafford et de Florence? C'est pas nécessaire. Si tu si t'es occupé sur autre chose, c'est pas nécessaire, je pense. Non, on peut faire une idée. Ouais. De toute façon, les émonologues, ils font ça après la vidange. Hein. La vendange, pardon. Eh ben, moi, je pense que c'est Sophia qui a le dernier mot. Je confirme que j'ai des trucs à faire. Du coup, ça va se passer en parallèle alors que vous êtes en train d'aller récupérer le paquet. On considère que Pearl est en train d'avoir son rendez-vous avec ses sœurs de Karna. Mais je vais d'abord faire la scène de Arch et les recherches de Arch pour ne pas lui couper l'herbe sous le pied. Ce qui fera que tu vas pas forcément avoir les infos sur Jacob, puisque Jacob, ça concerne plutôt Arch. Et donc, on va répartir ça entre vous deux. Hop. Alors du coup, pour toi, Arch, c'est un peu le moment de solitude et de calme que tu recherches depuis un bon 2 nuits, voire 3 nuits que tu as là. Parce que tu es un peu seul. Avec toi et les tiens, d'ailleurs. Vous êtes enfin seul. Et ça fait du bien, parce que mine de rien, ça prend une énergie folle d'avoir toutes ces interactions avec toutes ces personnes. Et donc, tu peux te retrouver un peu dans ta bulle et commencer à voir dans ton réseau et sur ShrekNet et en parlant aux gens et en fouillant les archives et en voyant de vieux forums et en allant vraiment sur ces fils de discussion très anciens qui remontent à très longtemps, ce qui est de l'ordre de la légende, ce qui est de l'ordre de la creepypasta, ce qui est de l'ordre de la vérité, ce qui est de l'ordre de la transformation pour rendre les choses plus épiques. En tout cas, tu essayes de savoir, mais alors parmi nous, dans mon sang, c'est qui Jacob? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question qui prend du temps et qui demande de parler à beaucoup de gens et de faire beaucoup de recherches. Et c'est pas forcément de la recherche uniquement technologique, parce que ça va être aussi... trouver les bons interlocuteurs, parler aux bonnes personnes, lire les bons textes. On va le définir par un jet, tout ça, mais d'abord, juste, je voulais que tu prennes un petit peu la mesure de la sensibilité de la question que tu soulèves. Parce qu'en fait, très rapidement, tu comprends que Jacob, c'est un nom légendaire pour ton sang. Tu touches à presque tu touches à quelque chose de magique, de mystique, d'ancien. C'est quelqu'un qui porte la faiblesse de ton clan, mais qui en même temps a l'air d'être présenté comme un de ses plus dignes représentants.
les informations sont assez parcellaires et décousues. Rapidement, tu te rends compte qu'on dit tout et l'inverse à propos de Jacob. C'est comme si c'était un vrai lunaire, pour le coup. Tout ce que tu lis, entends, toutes les interactions que tu as à propos de ce personnage légendaire te laissent entendre qu'il n'a... C'est une sorte de chaos ambulant. Ce serait presque le personnage du Joker si on devait en faire un petit raccourci dans la réputation qu'il en a. On lui prête toutes les origines, toutes les histoires. Il aurait raconté venir de tous les endroits du monde, avoir vécu toutes les vies, avoir tout fait, avoir tout vu. C'est très difficile, en fait, de comprendre de quoi on parle. Et... Bon. Je vais quand même te demander d'essayer de voir si tu arrives à resserrer quelques informations et essayer d'y voir plus clair parmi tout ça. Clairement, on va faire un jet d'intelligence et investigation, parce que c'est clairement ce qui se passe à ce moment-là. Donc, tu peux jeter directement avec investigation, il y a un bouton hein, pour ça. Et... Ah bah écoute, t'as 3 réussites, j'allais t'en demander 3. Tu as vraiment beaucoup de chance, parce que c'était la moyenne minimum que j'attendais, 3 réussites, parce que c'est très difficile. On peut considérer que ça te prend autant de temps de faire ça que ça prendra de temps à tes camarades de se balader dans toute la ville pour aller récupérer des paquets ou voir des gens, parce qu'en fait c'est très long. Et tu parles à des tas de gens de ton clan qui sont tous aussi lunaires et qui te baladent, et qui sont tous aussi complexes dans leur approche pour essayer d'avoir une information en discutant avec eux et elles. Ça t'épuise une bonne partie de la nuit. Et puis ça te saute, enfin, ça t'éclate d'un coup à l'œil. Il y a un nom qui revient tout le temps quand on parle de Jacob. Un frère jumeau. Celui qu'il a de plus cher. Qui s'appelle Esaü. Ça s'écrit E-S-A-U. Et en fait, c'est pas Jacob qui a écrit la question rouge. C'est ça que tu comprends. Ils sont toujours deux. Et ils sont jamais d'accord. Par contre, il y a une autre chose que tu comprends assez rapidement. En fouillant, Jacob t'apparaît pas comme un traître. Je vais vraiment dissiper ça pour toi. Toi, tu penses que celui qui vous met dedans et qui fait n'importe quoi, c'est pas Jacob. C'est l'autre. Et je vais te laisser vraiment en charge de cette question-là, parce que toi qui es très habitué à la cohabitation et au partage avec d'autres, il y a une vraie question derrière. Bien, mais qu'est-ce qu'on fait des Sao alors, du coup, si Jacob n'y est pour rien du tout? Et ça va forcément te traverser. Concernant la responsabilité par rapport à la question rouge, c'est trop sensible comme sujet pour avoir une réponse. Tu sais pas bien quel est le pourquoi, du comment, de qui l'a écrit, qui la pose, dans quel but, on y reviendra. Mais en tout cas, on parle d'un être qui a clairement plusieurs centaines d'années et qui n'est peut-être pas aussi coupable que tu le pensais. Ah, et aussi, très important, qui est absolument extrêmement engagé dans le combat des anarches. Et ça, ça apparaît très clairement. Y a-t-il des questions que, au détour d'un chat, d'une conversation, d'un Reddit, d'un forum... Ou d'une discussion quelque part, tu veux poser à quelques utilisateurs sur d'autres sujets autour de Jacob ou de ces choses-là?
et sur lesquels il pourrait être renseigné. Ouais. Où est-ce qu'il aurait été vu, entre grands guillemets, dans le sens où plus large de vue pour la dernière fois. Ça marche. Je regarde ça tout de suite. Alors, alors, c'est là, hop. Il est connu pour avoir longtemps vécu en Allemagne et être un Malkavian allemand. Et les légendes à son propos, c'est que c'est lui-même qui aurait inventé le mot kindred pour définir les vampires. C'est lui qui aurait commencé à l'utiliser, ce terme. Il a longtemps été, lorsqu'il était aux États-Unis, à Milwaukee, et sa dernière location américaine connue, c'est à Milwaukee. Aussi, il a écrit un livre qui est introuvable et dont personne ne connaît le contenu, et qui est en allemand, du coup. Donc, tu es un peu obligé d'utiliser, tu vois, les traducteurs automatiques pour avoir à peu près une sorte de traduction. Et ce serait le livre de la guerre des tombes. Alors moi, je ne parle pas allemand, donc j'ai le titre original, mais je ne vais pas vous faire, l'affront de vous le dire, parce que si je vous le dis en original, voilà. Mais je vous l'écris dans le... dans le chat. Ça, c'est le titre original. Encore une fois, tout cela est teinté de mystère, de lumière, d'ajout. Enfin, il y a vraiment un côté... on dit que... Il paraît que, il se pourrait que... T'as vraiment l'impression que c'est un personnage qui a une aura très particulière au sein de ton clan et même de manière générale au sein de la société vampirique. Un nom qui en fait frémir plus d'un. Du coup, ça raccroche ce personnage qu'on n'a pas vu depuis plus de... Depuis plus de 50 ans, à vrai dire, on n'entend pas parler du tout de lui. Et même avant cela, ce ne sont que des légendes. Mais toi, du coup, tu le raccroches à ton présent. Puisque la question rouge, tu l'as vue il y a 3 jours. Et ça, c'est intéressant aussi. Et que, par quoi j'allais finir? Oui, un point très important. Il est donc recherché par des gens qui aimeraient bien trouver des coupables. Du coup, potentiellement que si la Camarilla vous met à la recherche des coupables potentiels de la question rouge, ils ont une bonne idée que ça pourrait les mener, peut-être, en tout cas, si ce n'est sur sa piste, dans sa direction, ou voilà. Et tu te dis, bah du coup, ça fait sens si c'est un anarchiste convaincu. Peut-être qu'ils essaient de le retrouver. Voilà, je pense que là, pour le coup, j'ai fait le tour des choses qui sont trouvables. Mais après, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre du disparu, de l'occulte, et puis surtout du très, très, très secret et enfoui. Mmh. Oui, mais il n'a pas fait ça. Il a vécu suffisamment longtemps, il a agi en tant que whistleblower, c'est-à-dire qu'il savait qu'on allait le rechercher après avoir dit ça. Spécifiquement, il veut être recherché. Mm-hmm. Voilà. Exactement. Tout à fait.
Et du coup, ça, voilà, il y a quelque chose en toi qui s'allume un peu. Mais alors, du coup, il veut peut-être que ce soit moi qui le trouve. Oui. Il y a peut-être un truc à me dire. Et oui, normalement, je devrais être enfin un peu spécial. Exactement. On peut partir du principe, pour ne pas rallonger inutilement et artificiellement certaines de vos discussions, que ce que vous entendez là, évidemment, c'est méta, vos personnages ne l'entendent pas, mais lorsque vous vous retrouverez tout à l'heure, vous pourrez dire « Eh, au fait, t'es au courant, voilà, je t'ai tout dit. » Comme ça, vous pourrez en reparler ensemble. On gagnera un temps substantiel. Et on va passer à la rencontre de Pearl avec ses sœurs chez Karna. Allons-y. Alors, tu n'es pas encore allé visiter Tassir depuis les débuts de cette histoire. Et c'est pas quelqu'un que tu connais très bien en dehors des relations que vous aviez lorsque elle t'a ouverte au monde. De la non-vie et à sa science et à son occultisme, vous n'avez quasiment aucune relation de hiérarchie ou de dépendance, parce que c'est tout l'inverse que vous cultivez au sein de la maison Karna. Elle est très prudente, tu es donc obligé de l'appeler sur deux numéros différents, de prendre un rendez-vous en passant par un contact pour qu'elle te dise finalement de la rejoindre dans le parc de l'observatoire Griffith. D'accord. Je m'y rends avec mon véhicule personnel que je laisse un petit peu à l'écart afin de faire les dernières centaines de mètres au sommet de la colline qui surplombe Los Angeles et de me rendre dans cette direction en marmonnant en ma tête la formule que je m'apprête à délivrer, sachant que j'ai bien peu de contact avec mes sœurs depuis que je suis revenu à la nuit. Et que bon, aujourd'hui, cette nuit est une nuit particulière. Et c'est à pied que j'arrive devant les portes, peut-être, du l'Observatoire Griffith, à moins que ça soit peut-être dans le jardin ou devant les portes ou aux alentours que j'ai rendez-vous. Eh bien, tu la vois depuis le parking où tu gardes ta voiture sur les graviers devant ses immenses façades blanches et sa grande coupole ronde derrière laquelle les lumières de Los Angeles scintillent. C'est calme, comme à son habitude, avec ses très longs cheveux très raides, blancs, complètement blancs, dans une robe noire très simple, un peu passé de mode, avec un petit col Claudine, puis les deux bras croisés, avec un petit sourire en coin. À l'intérieur, derrière elle, tu sais qu'il y a quelques autres femmes qui sont là et qui passent régulièrement leur nuit, comme tu le faisais il y a quelques années, à l'observatoire. Pearl, je suis ravie de te revoir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Apparemment, j'ai une réponse très spontanée qui meurt dans ma gorge à l'instant où je suis censé lui répondre. Je suis censé être une personne normale qui répond à une invitation. Mais à ce moment-là, je mets un genou à terre. Allons, qu'est-ce que tu fais ? Relève-toi. Et je récite une ancienne formule que j'attribue au Karna et qui ne m'émancipe pas véritablement de notre héritage, mais qui pour moi est une marque de respect néanmoins. Je lui dis que si je m'incline, je lui dis, hein, je le formule sans la regarder dans ses yeux, si je m'incline, c'est devant la communauté et son savoir, c'est devant son histoire et sa valeur, ce n'est pas devant une volonté ni une ambition, je m'incline devant le savoir partagé et je m'en remets à la sapience de mes sœurs pour porter notre cause et défendre nos corps et nos esprits. Là, enfin, je reprends le contact avec elle après avoir récité ma petite prière laïque. Et ma sœur, j'ai besoin de vous. Elle te met la main sur l'épaule et t'enjoint franchement à te relever. Et elle te dit, du coup, Bene Awelaus Mater, relève-toi. Nous sommes
tout à égalité. Et tu sais très bien que je ne t'ai pas élevé comme ça, Pearl. Je sais que vous n'avez pas aimé, vous ne m'avez pas élevé ni enseigné de la sorte, mais le savoir reste inégalement réparti. Ah, entre. Viens t'installer. C'est à petits pas, un petit peu contrit, et, ce qui est assez inhabituel hein, pour quelqu'un comme Pearl, qui d'habitude se montre comme plutôt arrogant et sûr de son fait, qu'elle rentre au milieu de ses sœurs, dont elle n'estime être qu'un faible reflet. Elles sont 5 ce soir, donc Verna McCoy, ta sire, que tu connais très bien, cette femme très jeune d'apparence, a l'air d'avoir pas plus de 24-25 ans de visage avec ses grands cheveux blancs, tu sais qu'elle en a en réalité beaucoup plus, ce n'est que son âge apparent. Il y a Nash, que tu connais bien aussi, qui est une jeune vampire très rousse, très flamboyante, qui a toujours eu un air très sauvage. Elle t'a toujours un peu fascinée. C'est vraiment une femme qui s'est toujours refusée, même durant sa vie et également dans sa non-vie, au code de la féminité. Donc, elle a vraiment des cheveux sauvages. Elle a vraiment décidé de garder sa pilosité qui se voit et c'est très volontaire de sa part. Et il y a de grandes effusions de joie quand tu arrives. Elle te tape sur l'épaule. Elle est très contente de te revoir. Tu reconnais aussi Annabelle, que tu n'as pas vue depuis longtemps, et Betty, qui est là. J'ai sans doute un style beaucoup plus strict, afro-américaine, visage ciselé, qui est drapé dans un tailleur également bien travaillé. Je suis quelqu'un qui se fond très bien dans la société telle qu'attendue par l'Amérique des années 2020-2010. Néanmoins, je viens ici comme si j'étais ce que je suis, une créature immémoriale, une créature qui n'a pour seul bagage que l'histoire que son sang essaye de transmettre à travers les âges. Sans cela, nous ne sommes rien. Et c'est à cela que, plus qu'au sang et à la vitae, je viens m'abreuver, au savoir ancien. Et si je viens voir mes sœurs, c'est pour comprendre des choses. Car ce que je leur explique, c'est que en ces nuits troublées, même si c'est la définition même des nuits angélites, quelque chose est en train de se passer. Quelqu'un joue avec le sang. Quelqu'un est en train de manipuler l'essence même de nos êtres. C'est quelque chose que nous connaissons, nous, de la maison Karna du clan Trémère, de la maison et du clan Trémère, si nous devons faire appel à nos pères. Si nous devons nous rappeler Goratrix et Trémère et Etrius, si tu prononces les noms de vos pères, oui, très sensiblement, du coup, Nash et Betty crachent par terre au moment où tu dis leur nom. Je le fais volontairement car je veux montrer que, alors que le sang peut être une source d'émancipation, c'est un secret de Polichinelle, le sang a été dérobé, le sang a été manipulé, le sang a été volé et acquis dans la souffrance des terres lointaines de l'ancien monde. Et peut-être aussi qui se produit à nouveau ici. Verna s'approche de toi, elle pose sa main délicate sur ta joue, mais l'image, il faut bien la comprendre, n'a rien de sensuel. C'est juste qu'elle a l'air très jeune et toi peut-être moins, mais en fait elle se comporte comme une mère à ton égard, malgré vos apparences physiques déroutantes. Parce que c'est vraiment comme ça qu'elle se considère avec vous toutes. Là, Pearl, tu as recours à tes phrases longues. Je parle trop. Et je t'ai toujours beaucoup aimé pour ça. Tu es scolaire et tu apprends bien et vite. Pose-moi des questions et j'y répondrai. Et surtout, sœurs, calme-toi. Le sang ne peut pas être volé et l'émancipation devrait être offerte à tout le monde. Ne porte pas de jugement trop hâtif, quelles que soient les questions que tu as à me poser. Nous savons très bien de quelle manière le sang peut être manipulé et dérobé, s'il l'est fait à mauvais escient. Et non pas pour la liberté, mais pour le pouvoir. Ce qui se passe ici et maintenant, mes sœurs, ma mère, est que quelqu'un utilise le sang, le dilapide, l'offre, le dérobe, au titre de ce que j'ai cru comprendre être la magie de l'aube.
Et d'après ce que j'en saisis, quelqu'un utilise les vies pour les réduire en cendres et les offrir aux autres. Je ne sais pas où nous allons avec cela. En tout cas, je peux déjà répondre à ta première question. La magie de l'aube est une alchimie secrète qui n'est pratiquée que par les Sangclairs. Elle porte ce nom parce qu'ils la pratiquent alors que l'aube se lève et qu'ils ne risquent pas d'être détruits. C'est leur moment. C'est l'instant précis où cette alchimie que nous ne maîtrisons pas est réalisée. Mais à ce que j'en sais, ils ne l'ont pas appris tout seuls. Tu t'en doutes bien. Qui d'autre... Ils n'en auraient pas eu les compétences. Qui d'autre que nous pratique une magie du sang interdite, à part eux, désormais ? Leur avons-nous enseigné cette magie ? Bien, au risque de te décevoir, oui, nous leur avons enseigné. Évidemment. Qui d'autre ? Ce n'est pas une déception, c'est une responsabilité, ma mère. Oui. Laisse-moi un instant, je réfléchis. Il me semble qu'il travaille depuis bien longtemps avec un homme que nous voudrions voir mort. C'est un ancien du clan Tremere. Je crois qu'il s'appelle Mortius, mais je n'en suis plus certaine. Il me semble que c'est ça, Mortius. Et ce serait ce Mortius qui leur aurait enseigné les voies. Il est connu pour avoir vendu nombre de nos secrets, oui. Et c'est ce qu'on dit. On dit que les Sangclairs pratiquent leur alchimie grâce à lui. Qu'en pensez-vous, mère ? Car nous ne sommes plus le clan des temps anciens nous défendions jalousement nos secrets, nous les préservions. Je ne sais pas quoi te dire. Nous ne sommes plus comme ça. Et tu parlais de quoi ? D'un produit, d'une... Apparemment, cette magie, ou en tout cas ses propriétés, ou l'accès à cette magie serait diffusé. Mais que fait cette magie ? Apparemment, c'est comme entrer en contact avec la vitae de tous les caïnites dont le sang y aurait été mêlé. C'est comme accéder à 1000 vies et à 1000 non-vies. Mais... C'est comme peut-être ce qui a habité le sinistre Tremere quand Solot vivait en lui. En as-tu goûté de ce produit ? Je l'ai testé. Bien. A-t-il changé quelque chose en toi ? Pas avoir attisé une saine curiosité, je crois, ma mère, que c'est juste un trait qui nous distingue toutes. Bien. Donc, que fait ce produit si il ne fait qu'attiser la curiosité ? Oui, mais je suis de la maison Carnat et vous m'avez faite telle que je suis. Quiconque n'est pas en mesure... Mais tu ne poses pas les bonnes questions, Pearl. Et c'est pour ça que je tire la ficelle. Connais-tu quelqu'un qui l'a consommé et qui a changé ? Il est des mortels qui ont été touchés par ce produit et qui ont changé, oui. Que leur est-il arrivé ? Ils se transforment, ils changent. Ils entrent dans la nuit. Ils entrent dans le crépuscule, sans savoir où ils vont. Alors que nous bénéficions de vos lumières, mère. Soyons analytiques et précises. Utilisons l'expérimentation. Tu en as consommé et il ne s'est rien passé de particulier, vrai ? De ce que j'en saisis, oui. Tu connais des mortels qui en ont consommé et qui sont entrés dans la non-vie, me dis-tu ? En tout cas, qui ressemblent désormais à des sangs clairs. Comme si, d'une certaine manière, ce produit avait la capacité de transformer les mortels en sangs clairs, de lever une armée, que sais-je ? Je serais étonné que l'on puisse... offrir la non-vie par une drogue, je n'y crois pas. C'est pas possible. Il doit se trouver autre chose dans le rituel et un ingrédient ou une pratique doit échapper.
Le sang a été bu par... La victime a été plongée dans un état qui l'a conduite dans une situation de faiblesse où, oui, elle a bu le sang. Elle a bu le sang de la famille. Elle a donc subi l'étreinte, comme nous tous et toutes. Oui, mais ce produit qui conduit à ces situations-là, ce n'est pas juste une drogue, il suffirait d'une drogue, nous en connaissons de nombreuses. Exactement, et je là, ne vois rien d'autre dans drogue. Ce que tu me décris que une étreinte. Oui, mais c'est un distillat d'âme qui les conduit à arriver à cette situation. Absolument, et là où je veux en venir, Pearl, c'est que si quelqu'un fait ce distillat d'âme, ça n'est certainement pas pour offrir la non-vie à quelqu'un, puisqu'il l'aurait fait en lui offrant son sang de toute façon, et que c'est certainement pas pour qu'un damné ou une damnée comme toi le goûte et que cela attise sa curiosité. C'est que tu n'as pas encore compris à quoi cela sert. Et lorsque tu auras compris à quoi cela sert, alors nous pourrons t'aider mieux et comprendre qui en a besoin. Oui, mais mère... Si nous savons à quoi ça sert, nous savons qui a intérêt à l'utiliser. Vous avez les réponses, mère? Vous savez ce qui est en train de se passer dans cette ville? Je n'ai pas les réponses. Si tu ne me poses pas les bonnes questions. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne me les délivrez pas. Je pensais qu'il n'y avait parmi nous, parmi la maison Karna, pas plus de mystère et de soumission que dans le reste du clan. Mais je ne fais aucun mystère, Peur. Je ne sais pas ce que sont en train de tramer les personnes dont tu es en train de me parler ou ce qui se passe. Tu es venu quérir mon aide et comme à mon habitude, je te propose de réfléchir et je t'emmène sur un chemin où tu vas trouver des réponses. Je comprends cela, mère, et je l'apprécie, mais avons-nous le temps? Est-ce que Los Angeles a le temps que je réfléchisse? Je ne sais pas, as-tu d'autres précisions à m'apporter qui pourraient m'aider à t'éclairer mieux? Des noms, des contacts, des personnes impliquées, des groupes, des sectes, je ne sais pas. Des choses auxquelles je pourrais me raccrocher pour t'aider. Nous menons actuellement des recherches sur la question rouge et sur Jacob, qui apparemment est un ancien Malkavien qui serait d'une importance notable dans l'histoire de la famille et qui serait détenteur d'un savoir peut-être notable. Et je le sens lié, je crois, je comprends lié à tout cela. Je sais également que la Camarilla se sent impuissante face à cela, à tel point qu'elle a monnayé la suprématie sur Los Angeles à la réponse ou non à cette question de ce qui se passait. Et que Lucinda elle-même est prête à régler le problème, dit-elle, si nous arrivons avec des réponses. Je pense que... La communauté est désespérée à cet égard. Je sais que la personne dont je parlais tout à l'heure s'appelle Moira, a été étreinte par un dénommé Sergueï. Je vous donne les noms en vrac, j'avoue que je suis perdu, mère. Concernant Jacob, elle t'en dira franchement un peu moins que ce qu'a découvert Arch, à part que c'est un personnage absolument légendaire dont on sait à moitié tout et à moitié rien et qui est pour son clan, une sorte de croque-mitaine et de héros à la fois. Mais ce n'est pas son domaine de prédilection. Et pour conclure, pour ce que ça a de peu glamour, je suis prêt également à contacter par téléphone les autres red flags pour dire « Aidez-moi, là je me sens démuni, je suis au pied, je suis en train d'essayer de m'abreuver à la source du savoir et je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement désemparé. » Tu vas recevoir un message de Arch. Arch, bah je lis le message de Arch là. Parce que, qu'est-ce qui est. En gros, l'idée, c'est que je transmets les questions. Quoi. Tu as un message qui te dit. Juste. Tu as juste un bout de phrase en allemand. Das Busch von Gabrik. Gabkrieg, pardon. Okay, donc Arch ne parle lui-même pas très bien allemand. Donc je lis ça et je dis mère, das Buch von Grabkrieg. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous? Oh. Das Buch von Grabkrieg, le livre de la guerre des tombes. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air important. Eh bien,
c'est le livre le plus important qui traite de la GN, et en particulier d'un point très spécifique de la diablerie. Une source affirme, et peut-être que tu touches du doigt une chose intéressante, qu'il aurait été écrit par ce fameux Jacob dont tu viens de me parler. Par contre, je crois que le sujet de prédilection de ce livre est la rupture des liens du sang et la dissimulation de la diablerie, la possibilité de monter sa génération d'une sans autre dévoiler, manière. Sans que notre oui. aura soit teintée. Teintée, absolument. Et c'est un Malkavian qui aurait écrit cela et pas un des nôtres. Aussi, elle se tourne vers les autres. Maintenant, je vois le rapport dans ce que tu es en train de me dire. Le traducteur de ce livre, de l'allemand à l'anglais, c'est un membre de notre sang, Pearl. Et c'est le docteur Mortus. Je vais rapporter cette information au mien. En revanche, je ne suis pas taille, et toi non plus, si nous devions avoir affaire à ces individus, sache-le. À ma connaissance, s'il n'a diablé personne d'ici là, ou qu'il n'a pas eu recours à sa science pour tricher sur sa génération, comme tu sais que nous savons le faire aussi, la dernière fois que Dr Mortus faisait partie de notre sang, il était de 7e génération, Pearl. Et depuis, il peut être au-delà. Il semble que ce soit son sujet d'étude, entre autres choses. Et il semble, d'après ce que vous me dites, qu'il serait tout à fait possible que ce monsieur Mortus soit parmi nous comme un nouveau-né. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne fais que te parler de l'histoire connue de notre sang. Juste pour conclure là-dessus, c'est que ce que j'en comprends, c'est que son sujet d'étude serait précisément aussi de dissimuler le fait qu'il est ce qu'il est et se faire passer pour un nouveau-né, voire un sang clair. Se dissimuler, dissimuler sa génération. Absolument. Et j'irais même plus loin, puisque nous cherchions un but à la substance dont tu parlais. Sais-tu ce que sont les particularités des sangs clairs ? Quelle est leur différence ? Capacité à marcher pendant la journée ? Oui, et que se passerait-il s'ils trouvaient un moyen d'augmenter leur génération sans devenir comme nous ? Augmentation de leur capacité, capacité à se nourrir de nous ? Imagine que tu marches au soleil, que tu puisses te dissimuler parmi les humains la journée à raison de quelques vêtements et de marcher à l'ombre, et qu'en plus, grâce à une substance, tu puisses augmenter ta génération sans jamais devenir un damné, condamné à marcher la nuit. Qu'est-ce que tu deviendrais, Pearl ? Éternel. Et tu te placerais où ? Dans notre chaîne de prédation millénaire ? À la place de Cain. Eh bien, tu l'as ta réponse. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire alors. Ils recréent un créateur. Ils prennent une autre place, en tout cas, que celle que nous avons malheureusement réservée pour eux jusqu'ici. Et qui peut leur en vouloir ? Ma mère, aucun oui, et aucune de notre clan est en droit de leur reprocher quoi que ce soit quant à l'ambition et à la volonté de dérober le sang. C'est pour ça qu'avant que tu me quittes, je vais te redire ce que je t'ai dit quand tu es arrivé. Ne sois pas trop prompte au jugement. Je remets un genou à terre et je conclus par « Si je m'incline, c'est devant la communauté et son savoir. » Je la remercie.
Et on a du boulot. Je m'en vais très vite. Ok. De votre côté, je change complètement d'ambiance. Vous arrivez près d'une sorte d'église à l'angle de Florence et Stanford. Sophia, Luc. L'église universelle. Une sorte de truc, une espèce de ministère américain, comme ils en ont des dizaines et des dizaines. Et vous savez, il y a ces petits panneaux blancs où on peut accrocher des lettres sur un panneau lumineux et du coup, la nuit, ça laisse des messages comme ça. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et comme une sorte de provocation sur la petite boîte aux lettres à l'angle, il y a, tu sais, le petit truc rouge qui est relevé pour signifier qu'il y a du courrier à l'église. Et vous êtes là devant cette boîte aux lettres. Ou à quelques pas pour l'observer, hein, bien sûr, j'entends. Ouais, non, mais je suis arrivé tranquillement en voiture. Je me suis garé peut-être en face, de l'autre côté de la route. Voilà, je vais sortir de la voiture calmement. Je vais bien regarder à gauche, à droite, ne pas me faire écraser bêtement. Mais je vais observer un petit peu s'il y a des gens autour qui sont probes. Postés là, qui discutent, peu importe, n'importe quoi, n'importe qui pourrait se trouver là, les regarder, les observer. Mais je vais vraiment traverser, me diriger vers l'endroit qu'on m'a indiqué. Probablement cette boîte aux lettres. Et y glisser la main et voir ce que j'y trouve. Tu trouves dans un paquet très 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 fort serré et sous vide, entouré de scotch. Tu sens que c'est très dur. C'est vraiment comme une sorte de brique en fait, très emballé. Un truc, tu peux pas savoir si c'est ce que t'es venu chercher, moi, parce que ça se voit pas et ça se sent pas. Il y a pas d'odeur. Mmh. C'est un vrai pochon que utilisent vraiment les narcos. Tu vois, le truc anti-odeur, même qu'on peut mettre autour du cannabis pour pas le sentir quand on doit le transporter. Et clairement, ça ressemble à de la drogue. Pour autant que tu en aies déjà vu dans les soirées, quand les mecs à côté de toi prennent de la coke et que tu fais semblant de faire pareil pour faire bonne figure, alors que tu peux plus en consommer. C'est suffisamment petit pour que je puisse le glisser dans la poche de ma veste ? Ouais, ça fait, tu dirais, peut-être un petit 2 kilos. C'est une sorte de brique de 2 kilos, quoi. D'accord, c'est quand même... Ah ben, il s'est pas moqué de toi. Mais c'est pas la seule chose qu'elle a, puisque du coup, juste en dessous, quand t'as fini de la soulever, ouais. Il y a un petit mot, et il y a marqué « Priorité à ceux qui marchent au soleil ». Et t'as pas l'impression qu'on a dit ça à un dealer humain. T'as vraiment le sentiment que le mec s'attend à ce que, de toute façon, si on remonte jusqu'à lui et qu'on appelle à ce numéro, c'est peu probable qu'on soit un mec des quartiers quelconques de Los Angeles, parce que cette drogue, elle a pas un intérêt faramineux avec les humains, en tout cas les mortels qui la consomment. Ok. Est-ce qu'il y a une indication de prix, ou est-ce que Cash nous en avait parlé ? Est-ce qu'on savait ? Et il me semble que vous le saviez. Il me semblait qu'on avait un peu... Je crois que vous aviez un prix. Il était un peu cher. Un ordre d'idée. Ouais. C'était très cher. Après, moi, j'avoue que je ne l'ai pas forcément noté comme un truc décisif, mais ouais. Oui, vous l'avez. J'ai un ordre d'idée de ce que ça vaut, quoi. Okay. Ouais. Bien. Je vais faire un petit... Je vais faire un petit détour rapide vers cette petite église qui me fait doucement sourire et laisser un petit biais dans le tronc en regardant peut-être cette heure tardive. Il n'y a probablement pas grand monde, mais parfois ce genre d'église reste ouverte la nuit pour ceux
qui voudrait s'y recueillir. Elle est absolument ouverte et il y a de la lumière qui s'en échappe par les petites fenêtres. Il y a quelques gens qui sont en prière à l'intérieur, quelques sans domicile fixe qui trouvent un peu de réconfort, un peu de chaleur et qui somnolent sur les bancs. On n'a pas le droit de s'y allonger pour dormir, c'est un peu toute l'hypocrisie du truc, mais bon, on n'est pas dehors, on est un peu au chaud, on peut s'asseoir. Et oui, c'est un peu fréquenté, ouais. Ok, je vais pas m'attarder beaucoup, je vais y rentrer un petit peu. J'ai pas l'occasion souvent de traîner dans ce genre d'endroit, mais fut une époque, il y a bien longtemps, Luc était croyant. Il allait probablement à l'église le dimanche avec son joli petit costume. Donc, c'est un espèce de petit... Voilà. C'est presque du tourisme, en fait, on dirait. Et tu t'assois sur les bancs, du coup ? Tu t'arrêtes en prière ou pas ? Non, parce que je vais être un petit peu irrespectueux, je pense. Parce que je pense que mon rapport à la divinité, au Seigneur, a changé depuis ces dernières années. Et je vais vraiment marcher au milieu des bancs, me diriger un peu droit vers vraiment le cœur du truc et avoir un espèce de petit regard, tu sais, sur la croix et sur le Christ du genre... C'est marrant, c'était pas écrit tout ça. Hein. Il y a des choses... Ça sent le mensonge. On nous a pas promis tous ces machins-là, quoi. Donc je sais pas, un petit regard de défi, un espèce de truc que pourrait avoir quelqu'un qui a un peu apostasié, quoi. Tu vois, vraiment... Et je vais m'en retourner, quoi. Tu sais, je regarde un peu les gens, mais c'est plus un truc entre lui et moi, quoi. Et là, quand tu te retournes, moi, je suis là, et je te dis... toi aussi, tu le trouves magnifique, le Christ, comme ça ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau de le voir là, souffrir, avec cette hanche déchirée, pas hanche, cette poitrine déchirée, avec le sang qui coule. C'est quand même... ils ont bien conçu le truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu du New Age avant l'heure, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je le trouve un peu décevant. Maintenant. Ah. C'est vrai que comparé à nous, quand même, il est mortel, quoi. Parce que ça vaut bien croire qu'il a ressuscité, mais nous, on ne l'a toujours pas vu. Alors que nous... Nous, on est bien là. On est bien là. Bon. Je traîne pas, je papote pas, mais vraiment on a cette discussion probablement au milieu de gens qui eux ont la foi. Hein, donc... Et justement, j'allais y venir, il y a une des dames clairement pauvre qui trouve un peu de réconfort par rapport à la rue, qui est là assise sur un banc avec beaucoup de sacs autour d'elle et qui vous interpelle quand vous passez au milieu de l'allée un peu en parlant à haute voix, en vous laissant absolument entendre. Il vous a peut-être déçu, mais peut-être que c'est parce que on vaut pas la peine d'être aimé ou d'être sauvé. C'est peut-être temps de le faire mentir. Vous auriez pas une petite pièce, un petit truc à manger? Ça faciliterait bien ma soirée, puis peut-être que ça lui donnerait une raison de nous regarder un peu mieux et un peu plus. Bon bah. S'il existe, évidemment qu'il me regarde, puisque je suis là, et que évidemment il ne peut pas se passer d'une telle beauté. Je n'ai pas d'argent, en quoi que. Ah si, j'ai 20 dollars. Tenez ma brève. Est-ce que vous voulez un petit selfie ? Merci. C'est très généreux. Vous voyez, Dieu vous garde, c'est sûr. Il sera là pour vous. Un quoi, vous m'avez J'en dit ? J'en suis certain. Un selfie. Et c'est quoi ça ? C'est... Alors, regardez, je prends mon téléphone, on se met à côté, donc je la prends comme ça et je souris. Je vous trouve très belle
ceci dit. Parce qu'on a beau dire que voilà, il faut des paillettes, etc. Mais comme ça, au naturel, tel que vous êtes, avec la beauté de l'âge, je... Limite, je la touche un peu trop, tu vois, un peu trop sensuelle. Ouais. Je vous trouve un peu comme un diamant qui est en train de se perfectionner. Oh. Ouais, vous... Ouais. Bah, d'accord. Allez, souriez. Et attendez. Ah non, non. On se tourne vers le Christ, parce que quand même, il faut qu'il nous regarde, évidemment... Un peu de bonté, un peu de beauté même, je pense que ça va lui faire plaisir. Et je la prends, limite de force et tout, et je la mets devant le Christ comme ça et je prends un selfie. Très bien, tu fais un excellent selfie devant le Christ dans l'église, il y a tout le monde qui vous regarde. Elle-même, elle sait pas trop dans quoi elle s'est laissée embarquer du coup. Elle pense juste que tu lui as donné 20$ en fait, et... Elle est complètement en mode « Non, mais en fait, fais des photos si tu veux, tu m'as donné 20$, quoi. » Elle retombe un peu comme ça sur les fesses, sur un banc sonné par ce qui vient de se passer. Sonné complètement par ce qui vient de se passer. En quittant, je la laisse faire un petit peu son petit rituel. Là. Je ne sais jamais à quoi ça rime. Elle a l'air de régulièrement le faire. Et ça m'échappe à chaque fois. Mais la petite dame là qui avait posé une question qui était intéressante, qui a dit est-ce que ce serait pas le moment de le faire mentir et de lui prouver que qu'on mérite un peu la rédemption et je ne sais pas quel truc. Au final je vais prendre un peu de quelques billets, je vais les lancer un peu en l'air comme ça. De façon à ce qu'elle s'étale et compagnie. Mmh. Et je vais lui dire vous vous trompez. Il a raison de nous détester. Et je m'en vais. J'adore quand il se rend théâtral. C'est merveilleux. Ça lui, c'était pas longtemps. Ça... il n'avait pas fait ça depuis très très longtemps. Et franchement, vous assistez à un miracle. Et la chose la plus terrible, la chose la plus terrible qui se passe pour clôturer cette scène, c'est qu'après ce geste de nonchalance comme ça, et puis toi qui refais ton commentaire en riant, vous sortez par la double porte qui s'ouvre et derrière vous, tous ces pauvres gens, en fait, ils se jettent par terre pour gratter les pièces à l'intérieur de l'église sur le sol. Et ils commencent presque à se battre et à se pousser pour être ceux qui en récupèrent le plus. L'humanité, Sophia, l'humanité. Je pense qu'on mérite tout ce qui nous arrive, vivant comme mort. Bien. Je pense qu'on avait un endroit que tu voulais visiter, un endroit où on pouvait manger, ou je ne sais pas quoi. Un endroit comme un autre, hein. Je peux bien aller au... Mais tu ne m'as pas dit ce qu'il y a dans cette boîte aux lettres du Père Noël ? Je sors de mon truc et je te montre un petit cadeau à faire à des gens qui marchent sous le soleil. Les vivants, quoi. Hmm. Alors, du coup, je ne sais pas si le petit plaisir... Non, comment ça s'appelle ? Le petit... Les enfants terribles. Les enfants terribles. Oui, oui. Remarque, si ça me plaît, parce que peut-être qu'il y a cash et on va pouvoir lui faire de la concurrence. J'adore ça, parce que je sais que je gagne toujours. Faisons ça. Les enfants terribles. On signale peut-être à Pearl et à Arch qu'on s'y dirige. Peut-être ils ont fini des choses. On doit le savoir. Ouais. Oui, probablement, mais bon. Je le signale quand même, quoi. Du coup, vous souhaitez y aller tous les quatre et en profiter pour faire bilan et discuter en même temps, ou c'est pas trop discret et donc vous attendez plus tard de vous retrouver. Et je le dis aussi en tant que compteur pour si c'est un peu désagréable pour Pearl et Arch
de rester en retrait, que ça peut être l'occasion que le groupe se reforme, mais donc vous me dites comme vous préférez. Moi, alors, vous manquez en tout cas. Hein. Moi, à titre personnel, aucun problème, parce que j'ai eu un long temps de discussion et je suis vraiment en train de digérer le poids de tout ce qui vient de m'être asséné. Donc, si je suis un peu en retrait, il n'y a aucun problème. Et oui, je pense que finalement, j'ai eu un petit peu trop de quiétude ces dernières heures et que je n'en mérite pas plus. Donc, oui. Tu les rejoins, du coup ? On va s'amuser, oh là là. Je n'avouerai jamais que ça me fait un peu plaisir d'être inclus dans ce groupe. C'est très bien. Même si on est des red flags. Ok, parfait. Et bien donc, on va faire une petite ellipse alors que vous arrivez au absolument délicieux restaurant Les Enfants Terribles. Évidemment en français dans le texte avec un accent américain parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus classe. Il est vraiment pas loin, vraiment, vraiment pas loin de la tour où vous avez l'habitude de retrouver Luc et où il travaille. C'est dans le bloc d'à côté, dans une belle tour aussi. On l'avait déjà présenté puisque vous avez déjà pu y avoir un rendez-vous avec Wade, votre contact pour qui vous êtes en relation et avec qui vous savez que Nines Rodriguez travaille. C'est un peu le restaurant chic par excellence du quartier. J'aime bien en trouver quelques références dans le cinéma et il me fait beaucoup penser au restaurant que tient le Mérovingien dans Matrix, quoi. C'est à la fois très moderne, très classe. Il y a un endroit à Lyon que j'aimerais bien vous montrer un jour qui m'y fait penser aussi et où, c'est très personnel, mais Cédric et moi avons passé... quelques soirées importantes entre, pour nous, voilà. Et c'est l'Intercontinental, du coup. Vous voyez, c'est ce genre de bar-restaurant très classe où les tables sont en marbre, où il y a des petites lumières posées dessus, où les plafonds sont immenses, où la décoration, c'est de l'art contemporain noir, doré. Où, voilà, il y a des musiques feutrées. Et en même temps, les gens qui sont là ne sont pas des gens chics et coincés, c'est des gens originaux. Il y a des créateurs de mode, il y a des stars de la photographie comme Sophia, il y a des modèles, il y a des mannequins, il y a des peintres complètement fous qui cultivent leur image en renversant des pots de peinture sur des nappes. Et ah là là, les gens trouvent ça extraordinaire. C'est vraiment cette ambiance dans laquelle vous arrivez. Vous savez que la famille... les damnés de Los Angeles ne sont pas hors du contrôle de l'établissement et que comme il est dans le downtown, les finances de Wade et de Nines Rodriguez servent à faire que l'endroit soit gardé par des ghouls et des hommes de main relativement musclés. Ce n'est pas un restaurant tenu par des caïnites, mais ils ne sont jamais très loin de son fonctionnement. Et par corruption et insertion, il est toujours surveillé. On prend évidemment vos manteaux. Et Sophia, tu es reconnue à chaque fois que tu viens ici. De toute façon, je suis reconnue un peu partout où je vais. Madame Sophia, soyez la bienvenue aux Enfants Terribles. Je vous mets sur votre table habituelle. Tout à fait, tout à fait. Compteur, est-ce que je vois Cash dans la flopée Ce sera un jet de chance, mais tu as beaucoup de chance, parce qu'on va dire que tu as 70% de chance qu'il soit là, donc on va lancer un dé 100, et si tu fais en dessous de 70, il est présent. Ah. Il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Dommage. Non, il n'est pas là. Par contre, du coup, tes étudiants en commerce de la dernière fois, eux, sont là. Exactement. Formidable. Messieurs, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de me revoir. Je le sais. Patientez quelques minutes et je suis à vous. Incroyable. Vous êtes encore plus belle que la dernière fois, si c'était possible. Ça l'est toujours avec moi. Bah, venez vous asseoir, venez avec vos amis. Vous êtes combien ?
Non, non, c'est... il me semble pas très joyeux. Je viens tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je les mets un peu en joie et après je viens vous voir. Ne vous inquiétez pas. Bah, on est prêt à commander une bouteille en tout cas, si vous voulez. Allez-y. La plus chère, évidemment. Hein. Je suis quelqu'un qui mérite le meilleur. Toujours. Ils sont absolument prêts à prendre la bouteille de Dom Pérignon qui va ruiner leur papa. Très bien. Mais pas drôle comme ça. D'accord. Je pense que j'ai trouvé nos clients, Luc. Parfait. Je peux scinder ce colis en petites parties. Est-ce que je peux lui en passer une partie? Bah, il faudrait que t'ailles aux toilettes. Un bloc de 2 kilos, je veux dire. Ouais, on va dire que vous vous planquez un instant pour voir comment c'est foutu là-dedans. Et... vous vous trouvez un moment, voilà. Ouais, c'est relativement possible. On va dire que entre votre trajet, vos arrêts, vos coups de téléphone, vous avez fait ça, par simplicité. Okay. Donc voilà. Je la briefe sur le tarif demandé par cash. Je demanderai plus cher, t'inquiète pas. Par contre, sois peut-être discrète au niveau de Wade et de ses hommes. Voilà, qu'on soit pas vu, occupé d'ouvertement. Je vends la totalité, Luc. La totalité. Tout ce que tu peux. Et pendant ce charmant rendez-vous, Luc a la notification en même temps que Arch qui surveille les notifications de Luc, qu'un message vient d'arriver sur ton portable, celui vraiment qui est très perso et dont personne n'a le numéro. À part une dame française que tu connais bien. Ah, putain. Et donc, elle t'indique, rappelle-moi à ce numéro dans une heure. Voilà, c'est tout. Pas bonjour, pas au revoir, pas bisous, rien du tout. Je programme immédiatement un rappel, 3 rappels, pour ne pas oublier ou que je puisse ne pas l'entendre, de pouvoir la rappeler dans une heure exactement. Les ennuis commencent. Ah bon? C'est toujours... quand madame se rappelle à moi, c'est toujours un grand moment de partage, de franche camaraderie. Luc, l'amour, on est d'accord que nous, on ne sait pas qui c'est cette dame. Enfin, Sophia, elle ne sait pas qui c'est. Probablement jamais vue. Toujours en voyage. Bah, elle a l'air très importante, effectivement. Est-ce qu'elle est encore plus moche et terrifiante que celle de la Camarilla? Elle est absolument pas moche, mais par contre, elle est terrifiante, en effet. Encore plus? Formidable. J'ai pas d'échelle de terreur à te donner, mais terrifiante, elle peut l'être. J'ai vu que tu peux l'être aussi. D'ailleurs, je me posais une question avec tout ce qui se passe. Comment tu fais pour pas être en colère? Enfin, genre, vraiment. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas vraiment en colère? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de coincé. Tout à l'heure, ça m'a fait plaisir de te voir, t'exprimer. Moi, je sens qu'il y a quelque chose en toi. J'aimerais, je sais pas, je trouve que ouais, tu peux t'exprimer. T'es beau quand tu t'exprimes. C'est gentil, merci. Et, tu sais, Sophia, il y a un temps pour ce genre de choses. Je pense que tout ça viendra à un moment où j'aurai tout loisir de laisser exprimer ma colère. J'aimerais être là ce jour-là. Sauf si j'en suis assis. Une photo. Pour prendre une photo, je suppose. Ah. Tu lis en moi. J'adore. On voit que tu es un sérieux businessman qui a toujours un coup d'avance.
Merci du compliment. Pearl Arch, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vous avez l'air... faites grise mine. Des soucis, des... Sophia et Guirette, comme je ne l'ai jamais connue. Moi, je pense que je viens d'arriver au dernier moment parce que j'étais pas censé être là, mais je viens quand même. Mais, De toute façon, je vous repère au loin, quoi. Vraiment, si vous voulez rentrer discrètement, je vous repère au loin et je vous alpague, quoi. Je suis en train de me débattre avec un téléphone. C'est pas clair comment ça marche, ce truc, mais j'ai des choses à faire. Je trébuche un peu en arrivant jusqu'à ta direction, je lis des machins. Pas joyeux, c'est ça que tu dis, Luc? On n'a pas l'air très joyeux. Je sais pas, vous m'avez l'air préoccupé, on dirait moi. Je sais pas, c'est... Vous avez... vous avez appris des choses, vous avez... Pas préoccupé, ça serait un sujet d'inquiétude, Luc, à mon avis, mais... Au loin, ils agitent la bouteille dans ta direction, Sophia, genre... Attends, moi je vois ça quoi, ils sont en train, on est au bar, au resto, ça agite des bouteilles, ça demande pourquoi on fait la gueule en fait. Pendant que ça se laisse, ça va tomber dans le chaos. Ok, très bien. Oh, tout de suite pessimiste, le chaos c'est magnifique, je ne sais pas. Ah mais le chaos ça peut être bien, mais la destruction c'est vachement moins intéressant. Ah la destruction. D'accord. La destruction. Ah, moi, apparemment, ça a bien avancé, votre affaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, Pearl. J'ai l'impression que c'est plus avancé que chez vous, ça, c'est sûr. Ah bah, oui. Non, on fait ce qu'on peut, nous, avec nos petits moyens. Avec vous Luc Dans ma... quelques années en arrière, quand j'étais avec des étudiants totalement bourrés qui disaient complètement n'importe quoi. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter? C'est gênant. Ah ben, moi, j'ai pas commencé. Okay. Hein. J'ai même pas envie d'être là, Arch. Toi non plus, donc... Non, mais ça me fait plaisir de te voir. On va peut-être discuter de choses. Ouais. Mettons-nous à cette table, apparemment. Là, il y a des gens agitent des bouteilles. C'est une sorte de signe de ralliement, je sais pas. Je peux y aller, du coup. On n'est pas les bienvenus, les amis de Sophia. On est des tristes cires. Elle préfère nous avoir à table. Non, c'est vraiment c'est juste elle préfère ne pas nous avoir à table. C'est moche la discrimination. Après, c'est pas bien grave. C'est pas ça. Moi, je vais les rejoindre. Moi, je vous laisse à ma table parce que c'est ma table. Regardez, il y a écrit Sophia avec une petite goutte de sang. C'est pas la table qui quitte Sophia, c'est Sophia qui quitte la table. Exactement. Et mes amis sont les bienvenus. Et du coup, nous pas trop alors. pas tant. Non, vous restez, moi je vais les voir. Je vais les voir. Oui, alors on avait bien saisi. Je regarde autour. On a le privilège d'être seul à ta table. Ouais, il faut la comprendre, en fait. Sophia manque de sociabilisation depuis que je lui ai bloqué son compte Instagram. Ah, t'as osé faire ça? C'est-à-dire qu'elle avait commencé à liker le compte de Cash, et là, c'était juste impossible, en fait. C'est peut-être vraiment le chaos et la fin de Los Angeles, du coup. Pardon? Tu n'étais pas censé t'en occuper plutôt de son compte Instagram? Mais du coup, j'ai tout désactivé, en fait. Ah oui. Voilà. Mais du coup, je pense qu'elle est un peu nervous breakdown. Il n'y a pas de problème de compte, il n'y a plus de compte. Oui, mais là, du coup, on a des problèmes de nappe, apparemment. Il faudrait qu'on réagisse de manière assez à la présence d'une nappe où il y a son nom écrit en lettres. Est-ce que vous voulez me briefer rapidement sur ce truc pendant que Sophia va s'occuper de nos petites affaires? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'éviter Sophia parce que c'est un problème? C'est quoi l'histoire? Pas Sophia. Sophia va gentiment... Voilà. Elle a des transactions à faire. Elle va gentiment, voilà, Luc, mais tu t'entends? Enfin, c'est pas non plus extrêmement... Il y a un truc que je comprends pas. Parfois, vous me fatiguez tous, vous le dire. Vraiment, vous musez. Ah bah, bienvenue dans ma peau. La vie était plus tranquille avant. Avant qui? Avant quoi? Avant nous?
avant tout. Avant que tu naisses, oui, bah, ça je peux imaginer. Beaucoup plus. Bon. Non mais attendez, Sophia, je comprends pas. Tu voulais dealer ce truc-là. Non mais moi je suis parti. Moi je suis parti déjà. Moi je pensais qu'il fallait le donner à des femmes enceintes. Quoi? Ah, peut-être. Quoi? Ah, tu sais des choses plus. Moi j'ai eu une consigne. Qu'est-ce de qu'on les donne, donner à des vivants. En tout cas des gens qui peuvent marcher sous la lumière du jour. Donc et je m'exécute, je suis un bon petit soldat. Pendant que vous discutez tous les trois, Arch, Luke et Pearl, de ce qu'il faut en faire, de ce qui est le plus logique, de ce qui serait le plus sensé, de... Sophia, elle est juste partie à la table, puisqu'en fait, elle fait coucou. C'est ça. Allez, exactement. Je vous laisse discuter. Et donc, t'arrives. Et le champagne est versé dans les flûtes. On est tellement content de vous revoir. Et moi donc. Mais je comprends que vous soyez content. Et mais en fait, pour être honnête, on est tous revenus dans ce resto parce qu'on s'est dit, avec un peu de chance, elle y a ses habitudes et on pourra la revoir. Vous savez en quoi je crois dans la vie? Au hasard et à la chance. Ils sont intimement liés. Vous me direz. Moi, je crois pas à la chance. Moi. Ah, vous croyez pas? Je crois au travail, au courage, à la persévérance. C'est pas un vrai truc qui existe, la chance. Faut la provoquer, la chance. Faut la saisir, vous voulez dire. Exactement. C'est, il faut la faire soi-même. C'est genre, tu vois, aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Ah oui, je vois. Très. C'est très. Comment dire? Social. C'est très. Voilà. C'est quelque chose qui est vers l'amour du prochain, mais en passant d'abord par son amour propre. C'est la sélection naturelle. On ne va pas commencer à faire passer tous les autres avant soi. C'est les plus forts qui survivent. Il faut être les plus forts. C'est comme ça. Je fais un aparté avec Arch. Mais pas du tout. Et puis qui sont ces gens d'abord? Je crois qu'on les avait vus il y a quelques jours ici. Des guignols de la finance ou de. Ah oui, ils sont encore vivants. Un truc comme ça. Après, bon. je vous perds, ils m'intéressent pas trop. Et du coup, vous, votre talent, enfin, comment vous avez réussi à saisir cette chance en dehors du fait d'être né de l'utérus de quelqu'un qui est, comment dire, riche? Ah non, mais moi, je me suis fait tout seul. Hein. Études acharnées, prêt étudiant. Partie de rien, quoi. Et exactement. Mais voilà, après, je suis un bourreau de travail. Moi, je fais 60 heures par semaine, 70 des fois. Pas de vacances, pas de week-end. Moi, j'ai le portable, il est toujours allumé. Le PC portable, il me suit partout. Voilà. Ouais. Au bout là, d'un tu moment, l'as oublié, mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est... Eh ben, et tu sais comment je fais, Sophia? Je peux te tutoyer quand même. On est... Oui, bien sûr, ouais. Tout le monde me tutoie, sauf mes amis. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un cheat meal une fois dans la semaine quand je quitte ma routine protein shake. Et en fait, je fais pareil, c'est que j'ai un cheat evening où j'ai le droit juste à peu près 3-4 heures de fiesta une fois dans la semaine. Et tu sais quoi? C'est ce soir, donc ça va être la dinguerie. C'est mon cheat evening. La chance, le hasard. J'ai envie de mourir. Comment, Arch? J'ai envie de mourir. De remourir. Alors c'est déjà fait. En fait, ce que tu as envie, c'est de souffrir, plus précisément. Non, je souffre là. Oui, bah, mais tu as envie de souffrir différemment. Tu as envie de souffrir mieux. Je pense qu'on peut souffrir ça. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je suis devant mon téléphone portable, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je le pose, je regarde comme si c'était le monolithe de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et je souffre en silence avec Arch. Quoi. Et la plupart du temps, ce qui est important, Sophia, aussi, c'est que dans la vie, si tu veux réussir dans
les affaires aient progressé et monté. Mais bon, ouais. Je te l'apprends pas. T'es une femme ambitieuse. T'as déjà réussi beaucoup. Même si on a toujours des choses à apprendre. Mais du coup, je vais t'expliquer quand même pour que tu captes bien. Je suis toute oui. Il y a un truc aussi, c'est que si physiquement t'es prêt, mentalement t'es prêt et donc professionnellement t'es prêt. Donc faut jamais oublier de bien aller se détruire à la salle aussi. Moi, ça, c'est ma routine, c'est ma morning routine. Ouais. Et c'est hyper important. Pour aller détruire les autres. C'est exactement. Vraiment, la vie est simple au final. Il suffit juste. Il faut juste se bouger. En fait, tu sais, tous ceux qui disent ouais, je suis fatiguée, machin. En fait, faut juste aller faire du sport. Et ça va mieux. Ouais. Exactement. Et tu sais aussi ce qui permet de pouvoir se sentir mieux et plus d'attaque et plus agressif et plus un mâle, quoi. Un vrai. Un dominant. Parce que bon. Moi, je suis magnifique, etc. Mais j'ai bien conscience que j'ai quand même une petite infériorité par rapport à vous. Et c'est bien normal. Ceci dit, sache que si à la fin de ton mois, tu fais 3 jours de jeûne... Oh non, je ne l'ai pas tenu. Putain, elle croit qu'il y a 3 jours à jeûner. Eh, c'est un winner, hein. Il taffe lui. Il y a pas trop de jeûner. Déjà... T'es plus le même homme en fait. T'es au-dessus des autres. Vraiment, t'es au-dessus des autres. Mais ça m'étonne pas parce que j'ai un collègue, il est parti au Mexique l'année dernière dans une retraite. Et il avait mal au dos quand il est parti. Et il a fait 3 jours de jeûne. Et quand il est revenu, il avait plus mal au dos du tout. Et voilà. Au final, en 3 jours, on règle tous les problèmes. Mais pour ça, il faut connaître la solution. Ouais, bah après, il faut. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance, on l'a dit. Bien motivé. C'est votre jour de chance parce que aujourd'hui, pour ton cheat day, cheat night. Je t'offre l'exceptionnel. Mais pour ça, il faut laisser cette bouteille de champagne venir avec tes charmants colocs, partenaires. Ta meute, quoi. Toi, t'es l'alpha. Ouais, c'est ça. Je suis Sigma, plus exactement, en fait. Sigma. Ouais. Si, je sais pas, on va dans un endroit un peu plus discret, je peux te montrer pourquoi c'est ton jour de chance. Le vôtre aussi, les gars, mais je ne sais pas. J'ai un peu plus d'attirance avec votre supérieur. Vous n'y pouvez rien. Il regarde sa montre. Écoute, il me reste un bon 2 heures sur mon cheat evening, donc franchement... J'avoue que ce serait un honneur de les passer avec toi. Oh, j'ai mieux. Non, pas ici. Parce que je pensais à quelque chose de discret, mais sale. Enfin, sale. Ici, c'est propre, mais bon. Je vous emmène dans un endroit merveilleux, puisque c'est chez moi. Mais... Trop bien, vas-y, on y va. Vous avez une voiture, parce que... Bien sûr, bien sûr. Uber. Bah... Eh bien, allons-y. Allons-y. Je votre GPS et on se retrouve... je vous amène dans mon temple de la beauté. Parfait. Très excités, ils embarquent la bouteille, ils font signe au serveur qu'ils connaissent, ils connaissent tout le monde... Ils sont refaits, quoi. Et là, donc, à la table d'à côté, peur, Luc, hein, je vous la voyais juste partir et se lever avec les types. Oh, mais ça, c'est... Surprenant. Non, Luc, c'est pas surprenant, non. C'est problématique. Ah,
J'essaie de changer mon mindset et de voir ça surprenant, mais effectivement, t'as raison. C'est problématique. C'est un problème. Enfin... Elle arrive à mettre à un moment donné de côté ses envies, ses pulsions, ses aspirations. C'est quelque chose d'important qui est en train de se passer là. Bah. Faudra lui expliquer ça, Pearl, parce que je te rappelle qu'elle fait des trucs. Des belles dingueries, d'ailleurs. À un moment, moi, j'essaye tout le temps hein, d'empêcher tout débordement, d'organiser tout ça, de maintenir notre anonymat, d'essayer qu'on survive dans cette non-vie, mais là, j'ai juste envie de tout abandonner, en fait. Je comprends. À quoi ça sert, au final ? Bon, surtout... Oh. Est-ce que vous voulez qu'on les suive tranquillement ? Non, mais là le problème, Luc, c'est qu'on va, suivre... Sophia pour assurer sa sécurité et peut-être pour faire le ménage derrière elle. Moi, c'est une horreur. Très sincèrement, vu la cabine des guignols, là, je pense qu'elle risque pas grand chose. Très sincèrement. Non, mais d'accord, mais nous, en tant que nous, peut-être, en tant que ramener des mortels chez soi dans ces conditions, vu au-dessus de tout le monde. Enfin, on est dans une situation où je pense qu'on a tous acquis des informations sur ce qui est en train de se passer qui montrent que les choses sont graves là à Los Angeles. En fait, j'aurais préféré effectivement passer ma nuit à vous parler d'informations importantes plutôt qu'à aller courir après des gogos dans... Oui, dans voilà. C'est ça, en fait. J'aurais aimé apprendre ce qui vous a mis dans cet état. On fait quoi ? On admet qu'on va pas passer la serpillière tout de suite derrière Sophia ? Parce que c'est un peu sa vie, en fait. Hein, c'est que les gens passent la serpillière derrière elle. Non mais... Vous recevez un message groupé qui vous dit TKT des amis, c'est pas vraiment mon chez moi. Ah. Enfin, bah ça va, de toute façon, oui, elle passera peut-être pas la serpillière du coup. Ça veut dire quoi TKT? Moi je comprends rien. Ce truc. En tout cas, moi je considère que Sophia, là, elle va rentrer chez son chez elle montrable, parce que c'est évidemment pas son refuge. Studio photo, appartement. Et qu'elle emmène ses jeunes hommes, donc bah, ils sont trois, hein, ou quatre, je sais plus s'ils étaient trois ou quatre. On va dire qu'ils sont trois ce soir, ils étaient quatre la dernière fois. Et coucou au Grumage, merci beaucoup. Et elle les emmène. Et là, vous la revoyez plus pour l'instant. Ce qui en plus en termes de timing pour l'interprète et pas forcément pour Sophia est pas mal parce que comme ça si tu vois qu'on dépasse tu pourras réserver ta scène mais voilà tu seras pas forcément avec le groupe. On verra. Et donc du coup vous vous retrouvez comme ça tous les trois au resto. Elle vient de quitter le resto et elle est partie avec les types quoi. Ce serait bien qu'on quitte le resto. Et si je ne m'abuse, un peu de la drogue aussi. Hein. C'est le but, c'est que tu vas essayer de l'en refourguer. Toute la drogue. Ok. Luc, est-ce que on est en sécurité ici ou vaut mieux que je me fie à Arch? Non, on fait un tour de voiture et on discute ailleurs. Non, je pense qu'ici, je pense que ici on est tranquille. Bon. A priori, mais si t'as des choses à dire, on est voilà, on se prend. Parce que là, je vais faire le plus court possible. Ok. Ce qui est en train de se passer et la substance qui est en train de tourner ici, ce n'est pas juste une drogue, c'est un projet. C'est un projet qui concerne l'idée plus générale de renverser la manière dont la famille règne non seulement sur Los Angeles, mais peut-être à terme sur la nuit en général. C'est un produit qui vise à rendre les caïnites, d'après ce que j'en comprends, immunisés au jour. C'est une manière de reprendre possession du jour. Alors, je vais préciser une chose que Pearl aurait compris, je pense. Ouais. Et là, c'est juste un problème de compréhension entre ce que j'ai dit et toi. Le caïnite peut déjà... le sang clair... Pardon, le Sinclair peut déjà absolument marcher dans l'aube et le crépuscule. Il irait pas la peau nue en plein soleil, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ils se font absolument dans la vie humaine. Il est quasiment indétectable. Il a un battement de cœur par jour. Il a quelques respirations inutiles. Il est vraiment à la lisière entre la mortalité
et la nature vampirique. Ce qui est obligatoire pour lui s'il veut devenir un vampire puissant et apprendre des nouvelles choses et ne pas rester dans cet état de faiblesse, parce que par contre il est dans un état de faiblesse crasse. Diablé. Faut qu'il monte en c'est vénération. De diablé. Diablé. Mais du coup, il se rend absolument illégal et absolument détectable de ça. Ça se voit comme le nez au milieu de la il figure. Il est fluo en fait. Au milieu des vampires. Il est en fait, fluo. Le processus qui nous intéresse, c'est des sans-clairs qui montent en génération, mais pas des vampires qui deviennent comme des sans-clairs. Ah bah ça, tu et sais c'est... pas, il y a peut-être les voilà. deux. Il y a peut-être les deux. En gros, ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est que ce sont potentiellement des créatures de notre puissance, voire plus, qui peuvent marcher de manière discrète, voire invisible dans le jour. Et qui contrôlent leurs bêtes. 1000 fois mieux que vous, voire la ressentent à peine, et qui n'ont pas besoin de se nourrir de la même manière que vous, puisqu'ils peuvent se nourrir, si je ne m'abuse en termes de règles, parce que je ne les ai pas relues, mais je crois genre une fois la semaine, un truc comme ça, oui. Une fois le mois, je ne sais plus. Enfin, genre en gros, leurs besoins, leurs soifs, etc. sont très différents, ce qui les rend aussi très faibles. Donc finalement, là, les cartes sont rebattues, parce que changer de génération, c'est s'octroyer. Il faut bien imaginer que c'est s'octroyer les pouvoirs de ceux qui ont été réduits à l'état de cendre dans ce machin, donc apprendre des disciplines, changer ça en fait de des génération. Vampires sans faiblesse. Exactement. En fait, et là, on est en train de fabriquer quelque chose de. Une abomination. Parfait. Ils ont les disciplines, en gros, sans être des vampires. Et je peux en parler parce que je peux parler d'abomination, parce que être un humain. Et dérober le fait d'être un vampire, vous savez sans doute déjà que c'est l'histoire de la maison et du clan Tremere. Et je suis particulièrement attentive à cet aspect-là, d'autant que je sais désormais qu'il est très vraisemblable que diffuser ses capacités parmi les sans-clairs est le fait de quelqu'un du clan Tremere, et quelqu'un qui a un nom, qui s'appelle le docteur Morsius. Le compteur va, vu l'heure, on va juste faire un petit point. Donc, moi, je vous propose que là, vous finissiez de vous expliquer tous les trois, Pearl, Luke et Arch, ce que vous avez compris et les liens que vous pouvez en tirer et en comprendre et en tisser sur les informations de ce soir. S'il n'est pas trop tard, on jouera la scène privée de Sophia. Et s'il est trop tard, on la jouera au début de la session prochaine pour que tu la joues dans tous les cas. Mais moi, en tout cas, je ne souhaite pas qu'on finisse trop tard aujourd'hui parce que rentrée, travail, tout ça. Parce que là, je conclue très simplement là-dessus sur le fait que cette manipulation est une manipulation consciente qui vise à fabriquer finalement une nouvelle espèce de non-mort qui pourra marcher sur le soleil en dérobant les pouvoirs des caïnites que nous sommes. Il s'avère que je pense que l'instigateur de cette manipulation est un certain docteur Morsius qui appartient au clan Tremere. Et là où je peux établir une connexion avec ce que vous m'avez rapporté, c'est que ce docteur Morsius du clan Tremere serait le traducteur des écrits du malkavien Jacob, à savoir d'Asbourg. C'était quoi déjà Grabkrieg. Voilà, c'était le Dasburg von Grabkrieg. Et le livre qu'il a écrit du coup, ce malgré de la guerre des tombes, aurait été traduit par ce Morsius et que ce livre aurait énormément d'informations concernant la diablerie, donc le fait de. Il aurait inspiré ce Morsius voilà. De. La diablerie. Et la rupture des liens de sang, t'a-t-on dit. C'est donc boire le sang, tuer un autre vampire pour devenir plus puissant, et puis le fait de briser la suggestion entre vampires quand on se boit le sang mutuellement. Donc c'est une manière d'être totalement libre. En fait, c'est le pouvoir sans les contraintes. C'est exploiter le sang comme on le souhaite, en s'affranchissant de toute hiérarchie, ce qui en soi n'est pas un mal, mais quel est le projet de ce docteur Morsius? Le problème, c'est que c'est un Tremere, et de ce que j'en sais, ce n'est pas un bon présage, car je fais partie de ce clan.
Enfin, il y a autre chose. Tu dis perle d'avoir les avantages sans les contraintes. Enfin, il y a quand même des. Il y a quand même d'entre nous qui sont morts pour ça. Oui, mais ça concerne pas les Sanclair ou le gars qui crée ça. Je pense que ce qu'il adviendra de nos clans, de notre espèce, je pense très sincèrement qu'ils s'en cognent un peu, non ? Je ne comprends pas le projet. Ça m'a l'air d'être un projet qui ne nous inclut pas non. À longue échelle. Car ce qui est très troublant, c'est que c'est une sorte de projet de démocratisation des pouvoirs vampiriques et de leur diffusion dans le monde, là mon clan ont toujours prôné l'élitisme. C'est très étrange. Petite question, Pearl, tu pourras peut-être me répondre, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si notre espèce finissait par mourir de diablerie pour cette nouvelle génération de marcheurs du jour, quoi. C'est un petit peu ça. Absolument. Ils auraient nos pouvoirs, nos connaissances, l'expérience de toutes nos vies. Et ensuite, quoi ? Ils devraient se diabler entre eux ? Oui. Recréer d'autres Kainites ? Je pense que nous en reviendrons. On changera juste du mythique. De nuit au jour, mais ça en fera très clairement des dieux sur Terre. Qu'est-ce qui peut empêcher ces gens de revendiquer une divinité sur les humains ? Rien. La seule chose qui nous a... Qu'est-ce qui nous a empêchés de revendiquer la divinité sur les humains ? La nuit. La notre nuit, incapacité à être au jour. L'inquisition et le fait qu'à un moment donné, l'humanité s'est élevée contre nous et que nous avons dû composer avec cela, y compris maintenant avec la seconde inquisition. Oui, enfin, il y a quand même autre chose qui nous empêche de faire pas mal de trucs, c'est notre démon intérieur. Oui, notre besoin de nous nourrir, le démon intérieur, la bête. Les humains ont énormément de besoins. Ces créatures, désolé du blasphème, mais seraient supérieures à nous à très moyen terme. On est d'accord là-dessus. Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, à quelconque clan ou famille ou lignage, on est d'accord qu'ils auraient très vite le dessus sur nous. Non mais le problème, c'est que la seule chose qui nous sépare d'eux actuellement est que nous avons des règles. Nous avons des règles de sélection, nous avons des règles d'élection. Nous n'embauchons pas n'importe qui. Il y a des entretiens. Alors, tandis que là, j'ai l'impression que c'est une sorte de grand camp collectif où tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Mais ce camp collectif, dans l'hypothèse que ce soit ton docteur Morsius qui soit à la base de ça, aidé des écrits de ce fameux Jacob, oui. quel est le but de cette personne c'est là où le bas blesse, c'est que ça. Je trouve ça extrêmement contre-intuitif de la part d'un Trémère. Un Trémère choisi pendant des années, voire des décennies, qui sera son disciple, digne de son intellect, de sa pratique et surtout de sa suggestion. Il veut s'assurer sa suggestion. Ça, c'est la tradition de ta famille. C'est la tradition de mon clan. Il a encore cette tradition, si ça se trouve, il remet... C'est peut-être un réformiste. Peut-être qu'il ne voit plus l'intérêt de cette sélection élitiste, je ne sais quoi. Quel est l'intérêt ? Est-ce qu'il veut refaire tout ça à zéro ? On peut imaginer que c'est un réformiste qui veut refonder la famille en fournissant à toutes et tous des armes lourdes dans la rue en plein jour. Mm-hmm. Peut-être. Il y a des gens, tu veux que je te rappelle où on vit ? Oui, mais justement. J'ai l'impression en fait que c'est une approche extrêmement libertarienne de l'usage du sang, pour être précis. Mm-hmm. Bon, et donc. Et donc, ça nous laisse pas. Alors oui, c'est terrible, je suis pour c'est la liberté, affreux. Mais ça bouleverse tes traditions. Je te sens très troublé, Pearl. D'accord. Mais concrètement, comment on empêche ça ? Parce que moi, très sincèrement, vos histoires de famille, de pourquoi et comment il faudrait faire, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème que quelqu'un d'aussi puissant que toi vienne te chercher dans ton refuge en plein jour. Ça va être ton problème, Luc. Ça, c'est mon problème, oui. Mais le pourquoi, le comment, c'est que fait-on ? Que fait-on de ça ? Et question par ricochet, parce que ça va se présenter à un moment et je sens que je vais détester la réponse. Que faire de créatures comme Moira ? D'ailleurs, il y a dans ce plan de
de changement, Moïra, elle a encore un facteur d'équation complémentaire, c'est qu'elle attend un bébé. Quelle sera la nature de cet enfant ? Ouais. Et quel rôle, quel espace il va occuper dans cette nouvelle, ce nouvel ordre ? Eh bien, ce que je crains, c'est vampiro, que ce soit très précisément l'objectif de ce docteur Moreau, là, Morsius. Il essaye de nous hybrider. Mais le bouleversement de l'écosystème est absolument imprévisible. Et ce qu'il va advenir de l'humanité, et pas seulement de l'humanité, mais de la Terre entière, de la vie sur Terre, est totalement imprévisible à partir de maintenant. Et sans connaissance des plans de Morsius, nous sommes dans la nuit plus que jamais. Bon, eh ben, reste plus qu'à trouver votre Morsius, lui ou ses suivants, ou je ne sais pas, parce que c'est une hypothèse, ce Morsius, pour l'instant. On n'est pas sûr que ce soit lui exactement. C'est plus qu'une hypothèse. C'est quelqu'un, c'est un nom récurrent parmi ceux de mon clan. Bon, bah, comment trouver ce Morsius ? J'ai mieux que Morsius. Ah. Avec tout le respect de ton clan, Pearl, Morsius, c'est que le traducteur du livre qui a été écrit par un Malkavien. Et s'il faut chercher la connaissance à la personne qui l'a produite, il faut peut-être mieux chercher Jacob, en fait. Peut-être, mais qui est-ce qui est actuellement en train de le déployer ? Ah bah, la Camarilla, déjà. Alors, ce serait bien qu'on y arrive avant elle, en fait, parce que c'est un peu un whistleblower, notre Jacob. Hein. Et ça me ferait beaucoup trop chier que la Camarilla le trouve avant nous. Alors, votre Jacob, il pond des bouquins, c'est super, mais je pense pas que c'est lui qui traficote la drogue qu'on trouve dans les rues. Mais c'est pas qu'un écrivain et un érudit, c'est un Malkavien, lui, qui en fait, on a quelques compétences qui nous permettent de voir au-delà de ce qui est là, dans le présent. Moi, j'ai l'impression que Jacob n'est pas du tout dans le présent, surtout, c'est qu'il n'est plus là du tout. Il a peut-être laissé une trace. Non, il a été là, la dernière fois qu'il a été aperçu, c'était à Milwaukee, il y a à peu près 50 ans. Oui. Et il est bien connu hein, pour être un anarque aussi. Oui, on a les anarques qu'on mérite. Hein. On n'avance pas dans votre truc. On sait quoi, comment, pourquoi. Enfin non, en fait, on ne sait pas pourquoi. On sait comment et on sait la finalité de ce bazar, mais on ne sait toujours pas qui. On a quand même beaucoup avancé. On sait pour résumer, on va faire court, la vie est en danger. Je trouve qu'on a fait un petit pas quand même. La vie est en danger ? La nôtre ? Moi, j'en suis là, oui. La nôtre, c'est certainement, oui. Mais, dire, des apex prédateurs partout, tout le temps, la vie est en danger. C'est le pléistocène de l'humanité, là. On sait tous comment ont terminé les T-Rex. Après... Avec de tout petits bras, je vois pas le rapport. Si vous préférez, Luc, plutôt que de, effectivement, en chercher dans des bouquins ou questionner... Shreknet à la recherche d'informations, si vous voulez faire de l'expérimentation directe, c'est en ça que je proposais en fait d'aller balancer la cendre dans des femmes enceintes et puis que ce soit des sangs clairs et comme ça et ben on voit directement ce que ça fait quand on l'ouvre en deux et qu'on sort ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi je préfère ne pas être aussi barbare et parler directement à des gens qui ont peut-être déjà fait ça ou qui auraient plus d'informations. Ah oui, parce qu'à un moment, j'ai eu un petit passage à vide où je pensais que tu allais ouvrir Moïra. Et du coup, j'allais dire, je vais être obligé d'ouvrir Arch. Et c'est vraiment embêtant. Parce que, Luc, c'était pas un passage à vide. Moïra, parce que Moïra était proche. Ça, je le conviens bien. Mais D'accord. Parce qu'on s'entend bien, personne ouvrira Moïra en deux. Ah bah oui. Ah. Pearl, on est sur le coup ? Je n'ouvre personne en deux. Non. Je ne fais pas d'expérience. Ni en deux, ni en quatre, je veux dire. On n'ouvre pas Moïra. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit d'autres femmes enceintes. Moïra est une victime de ce qui lui est arrivé là. Hein. Le fait qu'elle soit à la fois enceinte et touchée par ce qui l'afflige, Est-ce que quelqu'un parmi nous, parmi nos connaissances, pourrait avoir une idée de la nature de ce que va engendrer Moïra ? Est-ce qu'on peut avoir des pistes génétiques ? Je ne suis pas un scientifique, moi. Alors,
Je suis un homme du peuple, vous voyez. Il y a des sources anciennes, mais personne, je pense, n'est qualifié ici. Et je n'ai pas forcément envie d'aller puiser du côté des anciens clans spécialistes de la manipulation de la chair pour avoir des réponses. Il y a eu ça. Je pense qu'on n'aura pas de réponse très saine. Bien. Bon, je propose qu'on dorme là-dessus et qu'on repart la tête reposée. Que Sophia dorme là-dessus, si elle dort, on ne sait pas. Je ne sais pas vraiment si elle dort. Je ne l'ai jamais vue dormir. Ça va commencer ce soir, apparemment. Eh bien, Arch, y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Mmh. Et je crois que tu voulais peut-être avoir l'occasion qui s'exprime avec Pearl et Luc. Oui. Donc, je t'en prie. Eh bien, le but, c'est que je demande à mes connaissances de mon cercle plutôt très fermé s'il n'y a pas des informations qui circuleraient sur la « toile », entre gros guillemets, quant à ce qui est ou n'est pas, du coup, dans Moira. Ok. Donc, tu fais appel à tes connaissances et... Celui qui connaît la manière d'avoir accès à ces informations va faire en sorte de les trouver pour toi. Pour tes camarades, cela revient à devoir presque un peu avoir le regard absent, les yeux un peu fermés, mais avec des mouvements de paupières très rapides et des mouvements oculaires très intenses en dessous de tes yeux. Alors que du coup, tu as l'air de un peu disparaître, un peu perdre conscience à ce moment. Et t'arrêtes complètement de parler avec eux, tu rentres dans une sorte de transe. Et à ce moment-là, c'est une prémonition, si je ne me trompe pas. Oui. Ce sera donc résolution plus auspex. Ce qui te fait un nombre de dés à jeter de 6. Donc, il faut 2 réussites pour que cela fonctionne. Il n'y en a qu'une. Et si j'ajoute des points de soif dedans, je peux Si tu ajoutes des points de soif, tu peux ajouter un point de soif, puisque tu peux dépenser un point de soif et donc ajouter un dé et relancer un dé. Ça ne passe pas. Il y a comme une sorte de blocage. Mais en fait, au moment où tu n'as pas ta réponse et la frustration est totale et Eden est vraiment en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à obtenir cette réponse ?» Il y a un visage qui se pose devant celui d'Eden. Il est vraiment d'un autre temps. La peau bronzée, ridée, les yeux d'un bleu perçant, une énorme barbe très fournie qui descend très long, des cheveux blancs hirsutes, une sorte de toge sale, des ongles très longs, avec beaucoup de noir et de poussière sous les doigts. Il y a des drôles de sons dans le lointain, des cliquetis de métal, des bruits de chaînes. Et ça regarde Eden dans les yeux, et ça lui dit « Ne me cherche pas ici, les autres te verront. Viens me trouver. » Et délivre-moi de celui
qui m'a volé ma vie. Viens me chercher. Aide-moi. Et on les fera tous crever, ces salopards. Tous ces traîtres. C'est pas ici que tu trouveras tes réponses. Va falloir que tu sortes de ta tête. Et j'en sais quelque chose. On n'a pas toujours envie de le faire. Des fois, on est obligé. Arch, tu... Ah. Je sais pas, t'es parti en arrière, je... Luc, tu m'as coupé dans quelque chose qui aurait pu être vraiment très très intéressant pour le coup, là. Une super sieste. C'est à ça que ça ressemblait. Oh. On est tu sais qu'on est incapable de faire des siestes. Tu fais physiologiquement. Tu fais hyper bien semblant. C'est capable d'avoir du second degré apparemment aussi. Bon. Oui. J'étais en train de réfléchir et de prendre des informations. Et c'est... Bah super. Et ce fut fructueux, Arch. Bof, en fait, ça rejoint ce que j'ai dit. J'ai essayé de faire comme mon clan peut faire, mais au final, ce qu'on m'a répondu, c'est viens plutôt me chercher en physique. Donc bon. Très bien, Arch. Au bout d'un moment, faut pas s'offusquer si tu constates qu'on trouve pas ça très clair. Hein. Voilà. Tu dis, de manière générale. Et pourtant, d'habitude, je trouve que Pearl fait pas beaucoup de sens non plus. Mais là, je suis assez d'accord. Bah, c'est pas vrai. Alors... Ok. En super rapidement. Parce que là, je commence vraiment à avoir mal à la tête. Et je pense que j'ai pu contacter Jacob à l'instant. Ou si ce n'est Jacob, son frère, mais c'est pas forcément ce qui importe. Et il a dit que je pouvais pas faire ça comme ça ici parce qu'on pourrait nous entendre, ce qui est vrai, étant donné la manière dont je l'ai contacté, et qu'il faudrait plutôt le trouver physiquement. Voilà. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Pour résumer, tu as la possibilité de trouver Jacob ? Je pense, oui. T'as une piste pour le trouver ? Okay. On reparlera de ça. Oui. Ouais, ouais. Pour qu'on mette quelque chose en place si Sophia réapparaît un jour. Non, parce que je veux dire, elle s'est peut-être perdue dans un puits de luxure, on sait pas, ça. Ça reste une sorte de piège. La nuit de Los Angeles est plongée dans une noirceur inhabituelle. Alors qu'une caméra s'éloigne de vos vies, que le plan s'élargit au-dessus de la ville, il apparaît que le quadrillage extrêmement rectiligne des rues américaines qui se croisent de manière tout à fait perpendiculaire et l'air de donner à Los Angeles un aspect de grand échiquier à cases qui se juxtaposent les unes à côté des autres. Puis la caméra recule encore sur le continent, sur le monde. Et des pions s'identifient. D'abord, il y a les deux cavaliers, l'un blanc et l'autre noir. Les fous, un blanc. Un noir et des pions, beaucoup, tous animés dans toutes les directions. Mais le plus surprenant, c'est la reine blanche qui semble sur le point
de jouer ses derniers coups. Et comme un pied de nez à la partie qui se termine, alors que le soleil se lève, les cases noires du plateau disparaissent, car il n'y a plus d'ombre pour les produire. Et il ne reste plus qu'un monde baigné de lumière devant vous. Pensez-y. Il y a des traîtres. Il y a des complices. Mais il y a aussi des gens qui sont en train de faire quelque chose auquel, à laquelle vous n'avez pas forcément pensé. Loin, à l'est, ceux qui répondent à l'appel viennent d'arriver. Ils investissent Israël, se joignent à certaines forces de résistance, se trouvent des refuges dans les quartiers, les ghettos délaissés de Gaza. Des grottes souterraines sont rouvertes, des portes sont fouillées et des choses anciennes et terrifiantes se cachent dans les tréfonds de la terre à l'abri de la lumière du soleil écrasant qui brûle l'est. Mais pendant ce temps, Sophia a des choses bien plus intéressantes à faire. Évidemment. Beaucoup moins sérieuses aussi. Entre-plan. Sérieuse, si, c'est très sérieux ce que je vais faire. Ah. Alors, c'est ici, chez toi. Putain, c'est canon. C'est ici, chez moi. Bah, faut bien accorder le matériel au modèle. Alors, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans cette pièce qui est ma salle de shooting. Mais on peut y faire d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse vous mettre à l'aise et j'arrive tout de suite. C'est évidemment compris comme une invitation à se déshabiller. Hein. Quand tu leur dis ça, Ah oui, non, mais je suis bien consciente des mots que j'utilise. Donc, clairement, dans un grand mouvement d'excitation générale, ils se mettent des coups de coude et ils commencent à déboutonner leurs chemises, à défaire leurs pantalons. Ils sont au taquet, quoi. Ils sont au taquet. Du coup, moi, je vais dans la chambre et je viens prendre genre des menottes de cuir, des trucs comme ça. Et un appareil photo, évidemment. Et un scalpel. Très bien. Voilà. Tu reviens avec, du coup. Messieurs. Ouh. Vous avez pris de l'avance. Laissez-moi arriver. Alors... je vous propose, regardez, j'ai amené plein de petits accessoires. Mais vous savez, la vie est une compétition. Il faut travailler dur pour être au top. Je vous propose d'être le meilleur pour pouvoir m'avoir, parce que je suis un but à conquérir. Et pour cela... déjà, vous allez prendre des forces, d'accord? Vous allez... voilà, c'est une cocaïne, mais bien vénère, bien plus importante, qui va vous montrer des choses différentes. Donc, ravis, excités, nus, comme ça. Ils viennent vers toi. Je vais vraiment passer les détails. Ils profitent que tu es là pour saisir les choses en te touchant en même temps. Oui, je me laisse faire. Et du coup, ils se font les rails devant toi. Ils ont grave l'habitude. Ils ont zéro gêne. Et quand ils se il y a vraiment une compétition pour le coup très malsaine qui commence à naître entre eux.
ils se charrient sur leur physique, sur à quoi ils ressemblent, sur leur performance devant toi. Ils s'humilient en se disant devant toi qu'ils n'y arriveront pas et tout. Ça devient très, très vite malsain, leur discussion. Et donc, celui que, à qui tu parles la plupart du temps, c'est, mais du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse exactement pour t'avoir ? Moi, je vais être claire, j'adore ce genre de petit jeu. Mais vous croyez que je que je prends n'importe qui ? J'ai un don pour connaître les vrais prédateurs. Vous voyez, il y a des menottes, une pour chacun. Vous voyez, il y a des anneaux qui sont mis, ils sont très solides, dans les quatre coins de la pièce. Et celui qui arrive à menotter les deux autres aura le privilège de passer à la suite. Ils se regardent en riant un peu, tu vois, comme des adolescents dans un vestiaire avec cette forme de gêne où ils se disent « mais on est potes, mais on va quand même faire ça, mais c'est complètement délirant d'en arriver là. » Et puis finalement, il y en a un, celui qui s'est appelé tout seul Sigma, quoi, tu vois, qui prend clairement le dessus et par surprise, il lâche toute dignité, quoi. Et il se rue sur l'un des deux autres et c'est n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, ils s'entraident deux contre un, puis un contre deux, puis ça change de groupe, puis deux contre un à nouveau. Et tu les regardes et tu profites du spectacle. Et finalement, contre toute attente, c'est pas Sigma qui arrive en tête, quoi. C'est d'abord les deux autres qui se liguent contre lui, tu vois, pour vraiment défaire celui qui considère être la plus grande menace. Donc il se retrouve attaché, mais c'est bon enfant, il rigole. C'est un jeu, tu vois. Puis les deux derniers qui restent, ils font une sorte de bataille un peu honteuse. Ça devient presque une bataille de chats, tu vois. Ils se mettent des petites mandales, ils se poussent, ils rigolent. Ils pensent que ça t'amuse, ils te font un peu le spectacle. Et finalement, c'est pas le plus à l'aise, c'est pas le plus vocal, c'est pas le plus sûr de lui qui reste. Et ses deux copains attachés l'encouragent. Vas-y, vas-y, tu l'as gagné, c'est ton tour. En fait, t'existes plus. À ce moment-là, dans leurs paroles, t'es plus vraiment un humain pour eux. C'est ton tour, t'es une chose, tu peux la prendre, elle est à toi, t'as gagné. Enfin, quoi ? Et ok. C'est Et il est un peu timide. Ouais, c'est quoi ton beau prénom ? Je m'appelle Bill. Enfin, William. Mais tout le monde m'appelle Bill. William. Mais tu sais, moi, je suis pas trop du genre... Les autres se moquent derrière. Ouh, ouais. William, il va faire son timide. Ah, ça va. Tu sais, je suis pas trop du genre à faire ce genre de truc. Moi, je suis plus en mode... Moi, je suis plus romantique, tu vois. Ok. Alors, je lance... Donc, comment ça s'appelle par révérence, l'autre, le truc... Ça doit être l'hypnotisme que tu fais, je pense. Attends, je vais regarder. Ouais, enfin, l'envoûtement, je crois. Ah, l'envoûtement. Ouais, c'est ça. Tintin. Alors, ça fait longtemps qu'on a... Je lance avant de dire ce que je fais ou... Non, je dis ce que je fais avant de lancer ou... L'envoûtement, je pense... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, en même temps, ça va être très simple. T'es sur un charisme plus présence. Donc, je te laisse voir combien ça fait. Hein. Ça fait beaucoup. Charisme. 4. Présence. C'est où ? C'est dans les disciplines. Il faut descendre un peu, je pense, dans ta fiche. Je vois pas présence. Alors, attends, je vais aller voir. Hop. Représentation ? Alors, non. Je vais aller voir. C'est dans ta présence 3. Tu as 3. D'accord. Ok. Dans l'onglet discipline. Ok. Donc, ça doit t'en faire 7 en tout. Ouais. Et par
Et par, comme on fait depuis la dernière fois, en fait, les derniers dés, c'était dés de soif. Donc, je crois que tu en as 2 ou 3. J'allais vérifier. Oui. Non, 4. 4. Ah, ouh, ouais, bah donc les 4 derniers, du coup, ce seront tes dés de soif. Oui. Donc, attention, parce que si tu réussis ou échoues sur ces dés-là en particulier, ouais, ça peut tourner en boucherie. En boucherie, en boucherie agréable, mais en boucherie. 7 et après 4. Okay. Non, juste 7, mais il faut juste qu'on sache que les 4 derniers qu'on verra s'écrire dans le chat, bah, c'est aidé de soif. Très bien. Beaucoup de chance parce que... donc il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de machin bizarre, c'est juste une pure réussite puisque tu fais double, donc 4, donc tu fais 5, 6, 7, 8 réussites. C'est absolument exceptionnel, c'est du niveau légendaire de ce qu'on peut faire. Donc là, tu as la narration pour toi, je me tais. Il est à ta merci et tu as tellement bien réussi que les autres derrière sont un peu comme envoûtés, hypnotisés par la scène et ils la regardent et en fait ils osent même plus se moquer, interjecter ou rabaisser leurs copains quoi. Donc j'arrive, je fais chut, 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 chut. J'arrache ma chemise pour qu'il soit bien envoûté et je le prends comme ça et je lui dis: depuis combien de temps il te humilie? Depuis combien de temps il te prend le plus petit? Depuis combien de temps il se moque de toi? Depuis combien de temps ils ignorent que c'est toi le meilleur? Depuis tant ils oublient que c'est toi le Sigma, toi qui ne parles pas mais qui fais tout. Toi qui viens de rien, il me semble. Hein, tes parents sont pauvres, pas comme eux, qui sont riches, qui n'ont rien fait. Et regarde, regarde leurs attributs. Ils sont ridicules comparés aux tiens. Maintenant, tu peux prendre ta revanche. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Un petit scalpel. Tu peux faire ce que tu veux d'eux. Et quand tu en auras fini, on passera à la troisième partie qui sera l'apothéose. Je te regarde, je prends des photos, sois un artiste. Il attrape le truc complètement shooté à ton charme, à l'adrénaline, au pouvoir surnaturel de ton sang que tu viens de convoquer par la haine qu'en fait il ressent pour ces deux individus qui le méprisent. Et dans lesquels il a aucune confiance, mais il est dans une relation complètement toxique. La première chose qu'il fait, c'est vraiment de leur taillader la bouche et d'essayer d'attraper leur langue pour la fendre en deux pour qu'ils puissent plus parler, parce qu'en fait il en peut plus de les entendre parler. Ça le rend dingue de les entendre parler. Il veut plus les entendre parler. Dans des bruits de gargarisme et de borborygme, les mecs hurlent et crient et c'est des hurlements de douleur qui sortent de leur gorge. Ta pièce est, je le suppose, insonorisée, mais si tu avais des voisins, tu aurais été arrêté depuis longtemps. Et il les regarde et en fait, par contre, il sait plus bien quoi faire de son scalpel. Il a vraiment ce moment où il est vraiment genre, mais quoi? Et puis, il rebondit. Et ouais, ses yeux qui le jugent tout le temps, quoi. Et là, flac, 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 flac. Et il y a vraiment ce liquide qui coule sur leur visage. Et il va même pas leur faire honneur de leur couper le sexe. Il trouve que c'est trop avilissant. En fait, il en est pas là, quoi. Non, pas du tout. Par contre, il va bien graver dans leur peau, tu vois, avec le scalpel sur leur torse, à chacun. Il va écrire « slut » très lentement, très doucement, sur chacun d'entre eux. Puis en fait, ça dure pas très longtemps, l'envoûtement. C'est pas vraiment un hypnotisme.
ne peux pas vraiment forcer quelqu'un à faire quelque chose de détaillé. C'est juste que tu l'as fait craquer un instant, puis il est là, hagard, nu, couvert du sang de ses camarades, les bras ballants le long du corps, le scalpel lui tombe de la main. En fait, il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Et il commence à pousser un hurlement de terreur. Et je le prends en photo, je prends cette scène, elle est magnifique. Elle est magnifique. La détresse, c'est vraiment magnifique. Et je ris, je suis vraiment heureuse, quoi. Je tiens une masterpiece, c'est génial. Je prends, je shot, et je pose, et je fais « Merci, mon Michel-Ange, maintenant, tu as ta récompense. » Tu sais ce que ça veut dire, ces deux petites mouches? C'est que j'adore me faire croquer le cou. Vas-y, venge-toi, croque-moi le cou. Mais pas avec le scalpel, ça ferait pas assez mal. Je veux tes dents, vas-y. Il n'ose pas, il est là pour le coup, il est en sidération ce qu'il vient de réaliser, donc il est devant toi comme ça. Ah. Allez, sors-le là, le prédateur, regarde ce que tu as fait, accomplis ton œuvre. Finis-moi. Laissez-moi partir. Et il craque, il commence à... Laissez-moi, vous êtes complètement folle. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Laissez-moi, je vous en supplie. Il se met à genoux, il patauge dans le sang, il t'accroche les jambes. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Je dirai rien. Non, laissez-moi. Qu'est-ce que vous m'avez fait? T'étais à deux doigts d'être parfait, mais là, regarde, tu échoues la dernière marche. C'est pitoyable. Tout tu ça pour qu'il... en arriver là. Il pleure tellement de larmes, il a de la morve, tu vois, qui... Écoute, il s'extrait de son nez tellement il pleure et... Tout va bien, je vais te laisser en paix. Et est-ce que j'ai le droit de laisser ma bête partir? Ah bah oui, si tu la provoques et que tu la laisses prendre le contrôle, elle va se faire un vilain plaisir. Eh bien, je t'en prie, bête. Tu vois, Sophia, le scalpel, l'espèce de morsure du scalpel sur le bout des doigts, ce scalpel que tu viens de donner à ton complice, entre gros guillemets. Je fais les guillemets comme les crocs d'un crotal, parce que c'est un petit peu ce qui va se passer par la suite. Tu ressens ces coupures. Est-ce que tu les détestes ou est-ce que finalement tu les recherches? Je les considère comme de la matière en fait, c'est de la peinture. Et il m'a déçu quand même, beaucoup. C'est à ça de conclure l'œuvre. Mais je vais finir, faut bien tout faire soi-même. Et les deux autres? Ils sont dans quel état? Ils sont en train de hurler, de pleurer, de crier, de tirer comme des acharnés sur les anneaux, d'essayer de se libérer en hurlant. Enfin, ils sont désespérés, quoi. Et ils pataugent dans leur propre sang et ils ne voient rien. Ils n'ont plus Dieu. La douleur est insoutenable. Ils ne peuvent pas parler, donc à part hurler des trucs indéfinis du fond de leur gorge, ils ne peuvent même pas prononcer un mot. La scène est juste abominable. C'est dégueulasse. Seven n'a qu'à bien se tenir quand Sophia est là, quoi. Tu as des milliers de lames de scalpel qui, comme à l'intérieur de tes veines, te les entaillent. De dizaines de milliers, de millions de coupures qui, comme entaillent tes tendons,
un peu au niveau de tes poignets, de tes coudes, de tes genoux, de tes chevilles. Tu n'es plus articulé. En tout cas, pas selon ta volonté à toi, mais selon sa volonté à elle. Et pour toi, tes canines ressortent de manière absolument démesurée de ta bouche. Et tout ton être est rempli d'un crissement, alors que tu commences à te déplacer sur cette mare de sang qui se forme sur ton carrelage qui était auparavant immaculé, comme pour se préparer spécifiquement à cette scène. Tu glisses dessus en ne te servant même plus de tes bras, en ne te servant même plus de tes jambes, juste en glissant sur ton ventre de manière serpentiforme, la bouche déboîtée, les canines en avant, et tu les plantes d'un coup sec dans le torse de... C'était quoi son nom ? Sigma ? Sigma, ouais. Elle sait pas, elle s'en fout. Elle le boit. Elle le boit jusqu'à ce que même tu sois tellement rempli que tu revomisses le surplus de sang et ça ne lui convient pas. Alors, elle va continuer de ramper vers la seconde proie qui rendra son dernier soupir de la même manière. Alors que tu revomis ce surplus de sang et que tu t'apaiseras enfin, Sophia, sur ton dernier captif. Qui était leur chef, je crois. Mais en tout cas, il n'aura pas vu ce qui était arrivé à ses compagnons. Merveilleux. Absolument merveilleux. Je n'ai plus qu'à conclure ce merveilleux tableau. Je prends le sac de cendres et je le balance comme ça. Je saupoudre toute la scène. Voilà. Le point final. Et je prends une... Oui, pardon. Tu finis ça et que tu prends ta photo, en fait. À un moment, tu baisses ton objectif et il est dans la... Il pointe la mare de sang qu'il y a sous toi et tu vois un peu ton regard qui regarde vers la mare de sang et qui te regarde en retour. C'est ta bête qui t'observe silencieusement alors que tu prends cette dernière photo. Et puis c'est un regard brisé. C'est un regard cassé. Comme si un miroir, comme si on regardait dans un miroir cassé. Et mes yeux sont pas tout à fait pareils. Ils ont un peu de sang. C'est bizarre. Un peu plus de sang sur les paupières. Étonnant. Et en voyant ça, je frissonne. Et voilà. La drogue a été vendue. Et bien vendue. J'envoie un SMS. J'envoie, tout s'est bien passé. Le stock est écoulé. On se voit la prochaine fois. Bisous, bisous, bisous partout. Eh bien, écoutez, voilà une transaction qui s'est déroulée sans accroc. Un plan qui s'est déroulé sans accroc. Parfait. Moi, je vois le SMS et je dis bah je suis rassuré, je pensais que c'est de ce côté-là que ça partirait mal. Ah ouais, non, on s'en faisait pour rien en fait. Ça va. Ouais. On se faisait du mauvais sang, mais tout va bien. Non, c'est ça. On est médisants. On pensait que. Mais en fait, non, ça va. Vous êtes mauvaise langue hein, quand même. Hein. Ça, c'est... Je suis une professionnelle, je vous réponds. Ah ouais. C'est ce qu'on dira au gars au téléphone.
Eh bien, on va conclure sur un dernier truc. C'est l'heure que t'appelles. Ouais. Luc. C'est clairement l'heure que t'appelles. Je me mets en disposition, là, tu vois. Je me trouve un coin calme, un fauteuil confortable, parce qu'elle me crispe des lombaires jusqu'à la nuque, en général. Donc vraiment, je me mets en condition. Ok. Eh bien, après 3 redirections d'appel, pour tomber sur un téléphone, comme tu le sais, extrêmement surveillé, qui n'est jamais tout le temps le même, qu'elle utilise, tu l'entends décrocher avec une voix assez effrayante parce que très douce et très maternelle. Elle te parle jamais comme ça. Luc, mon enfant, ah, tu es toujours si ponctuel. Ça me fait tellement plaisir de te parler. Et moi donc, je sais pas si dans ma voix ça s'entend que j'ai du mal à mentir, mais que je fais vraiment de mon mieux. Comment allez-vous ? Quelles sont les nouvelles ? Comment vous portez-vous ? Je vais à merveille parce que quelle chance j'ai de t'avoir. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Mon petit cœur tout sec qui ne bat plus. Mais nous sommes une famille et qui l'eût cru ? Voici que tu vas servir à quelque chose. C'est tellement soudain et imprévisible que j'en suis toute bouleversée. Je suis déjà... Tu sais, j'ai toujours un verre un peu de whisky, de bourbon, comme un espèce de vieux réflexe comme ça, que j'avais évidemment pris machinalement. Mes doigts se crispent dessus au moment où elle dit ça, où elle dit cette phrase. Je suis déjà fière de toi. Oui. Je sais que tu as eu la visite de notre très chère Lucinda il y a peu. En effet, je l'ai vue. Et qu'elle a demandé à toi et tes petits camarades révolutionnaires et rebelles. J'aimerais tellement que les choses changent dans le monde, d'enquêter pour elle. Nous sommes tous au courant, tu imagines bien qu'une affaire pareille a déjà fait le tour de toute la vie vampirique et de toute la planète. Mais n'est-ce pas merveilleux que mon propre enfant, mon fils, mon enfant, ce que j'ai de plus cher finalement, soit au cœur de la ville où tout cela se passe. Écoute, je vais être très claire. Quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, mon cher, vous êtes du côté de la Camarilla et vous me ferez des rapports. Et ne faites pas comme si vous pouviez décevoir maman. Évidemment. Vous me voyez troublée, mère. J'avais cru comprendre que vos positions se trouvaient loin de celles de la Camarilla. Me serais-je fourvoyé si longtemps ? Mais enfin, on ne refuse jamais un juste de contrat. Crois-tu que ils ne m'ont pas donné quelque chose de précieux pour que je te demande
d'être mes yeux et mes oreilles et de tout me rapporter. Évidemment, évidemment. Eh bien, ma foi, ce sera avec grand plaisir. Oserais-je vous demander un petit intéressement pour ce service ? Absolument. Je ne ferai pas usage à ton encontre de l'hypnotisme que j'ai implanté en toi pour te faire venir me lécher les bottes jusqu'ici. Vous êtes trop bonne, mère. Je vous reconnais. Je sais. Cela me perdra. Faites la bise à cette chère Moïra de ma part. Je brise le verre dans ma main. Je m'écorche les doigts. J'essaye de faire ça en silence et je contiens la douleur que ça produit, mais j'ai quand même un petit salope qui me monte, mais qui ne sort pas de ma bouche, car c'est ma mère et que je l'aime, bien évidemment. Évidemment. Aurais-je le plaisir de vous revoir bientôt, mère ? Avez-vous l'intention de déporter votre voyage dans le vieux continent ? Absolument. Je serais ravie de venir prochainement te rendre une visite afin de récompenser tous tes efforts. Vous m'envoyez en personne. Ravi. De savoir rester proche de sa famille. L'éloignement, trop longtemps, ce n'est pas bon. On finit par perdre le lien. Il faut savoir garder les traditions, les retrouvailles. Oui, je vois exactement le genre de tradition. J'ai hâte, mère, j'ai hâte. Je vais faire les choses en grand et m'assurer que votre séjour soit mémorable. Je n'en doute pas, je ferai de même. Je vous réserve un certain nombre de cadeaux souvenirs de mes voyages. Bien. Oserais-je prendre congé ? Je sais que vous êtes très occupé. Moi aussi, j'ai pas mal de choses qui m'attendent, comme vous pouvez le savoir. J'imagine. Il s'en passe. Eh bien, je vous laisse à votre travail, cher Luc. J'ai très hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous, surtout. Ne vous mettez pas dans des sales histoires ou en danger, j'en serais. La santé, toujours. La prudence. La prudence. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Je vais aller cogner dans un truc. Je ne sais pas quoi. Quelque chose va sauter. Un vase, une œuvre, un mur, un employé, quelqu'un va s'en prendre. Un employé, je pense que c'est un peu drôle. Quelqu'un pas pour lui. Prendra une petite rouste de défoule. Et je lui ferai porter un truc, des chocolats, je ne sais quoi, ce que font les humains pour se faire pardonner. Mais pourquoi, mais non. Mais bien sûr que Sophia, elle veut te pousser. C'est le boss. Non, c'est pas comme ça qu'on. Pas chez moi. Je lui ferai porter le chapeau, c'est déjà bien. Moi, je rouste mes gens, mais je suis éduqué. Je leur fais porter des fleurs, des chocolats, un peu d'éducation, Sophie. Éducation du rappel. Je me suis trompée. C'est sur cette scène que nous allons clôturer la session de ce soir. Il est assez tard déjà. C'est passé beaucoup de choses. Je pense que nous aurons affaire à une ellipse importante la prochaine fois. Et on en discutera en privé. Un peu savoir quelle est la direction que vous prendrez. Mais en tout cas, on fera une ellipse importante la prochaine fois. Parce que j'aimerais que nous terminions maintenant en deux sessions supplémentaires. Comme vous le savez, on aura une prochaine session. Je vais dire les dates pour que les gens ne les perdent pas. Alors, attendez, je les reprends.
le 20 septembre et le 4 octobre. Donc ce sera les deux dernières sessions, donc on va ellipser un peu plus, quitte à nous discuter dans la quinzaine qu'on a pour se préparer de vos choix. Mais en tout cas, vous avancez bien, vous avancez vite et vous commencez à avoir beaucoup d'informations. Exceptionnellement, pour ce soir, je ne fais pas faire le petit tour de table de clôture à quelqu'un, enfin à chacun, puisqu'on a tous eu des temps assez longs individuels, donc je pense que ça suffira pour aujourd'hui et ça limitera l'attente. Et je vous dis à la prochaine fois, donc pour en découvrir plus sur Jacob, sur le docteur Mortus, sur la cire de Luc, sur les enjeux qui se passe à Los Angeles, sur cette drogue, sur le mot Ashfinders, enfin sur tout ça. Les choses commencent à se recouper et nous, on vous dit à la prochaine fois. Salut les joueurs et les joueuses. Salut le chat, merci d'avoir encore été une dizaine ce soir pour notre reprise et j'espère qu'on vous retrouvera nombreux sur la rediffusion. Salut tout le monde. Ça va être le générique et c'est où c'est là, je le trouve pas. C'est maintenant. Salut. Ciao. Mince, j'ai loupé.